J'espère vraiment pas être déçu par ce jeu. Un jeu de zombies survival, c'est pas tous les jours qu'on en découvre des nouveaux. Et si en plus le truc est aussi bien que Resident Evil, alors là c'est fromage. J'ai envie de dire fromage. Chat, très très vite, très rapidement, avant qu'on dise bonjour à YouTube. Quel est votre fromage préféré? Si vous devez choisir un seul fromage, quel est votre fromage préféré? Allez-y, n'hésitez pas à spammer le message, évidemment. Quel est votre fromage? Moi, je dirais que c'est le comté, moi. Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte, la découverte de Vem et Nos. Le chat est en train de parler de fromage. Je ne sais absolument pas pourquoi le chat est possédé. Vem et Nos, c'est un jeu hommage à Resident Evil, premier nudon, mesdames et messieurs. C'est un survival horror disponible depuis le septembre 2021. Team Comté, voilà, Team Comté, n'hésite pas à me dire en commentaire YouTube quel est ton fromage préféré. Moi, c'est le Comté, je veux rien savoir. La particularité de ce jeu, en plus d'être un hommage évidemment à Resident Evil et un survival horror, c'est que tu peux choisir la caméra, tu peux choisir de jouer en vue écran fixe comme les premiers Resident Evil, tu peux choisir de jouer comme Resident Evil 4 avec la caméra à l'épaule, ou tu peux choisir de jouer en vue FPS. Le jeu est évidemment en français, ça fait grand plaisir. Le chat est chaud, le beat est bon, il est 4h du matin, on est parti, nouvelle partie. Le Saint-Nectaire, ah j'avoue le Saint-Nectaire c'est pas mal. En normal. Voilà, on va jouer à la troisième personne, je pense. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On va jouer en vue Resident Evil 4. Le chat a voté, on a voté avant. On va mettre en vue troisième personne. Let's go, baby. Ah, j'ai hâte. Et un verre de vin, bien sûr. Le fromage, vous le mangez avec ou sans pain? Et bon appétit si tu manges. Alors. Mais non, le fromage, c'est trop bon. Oh, ça joue direct. Attendez, je vous monte un peu le son. Et les graphismes sont pas dégueux. Hein. Alors attendez, on n'a pas d'histoire. Ok, donc j'imagine. Oh, on était prisonnière. Et on a, il y a eu un crash. Ok. Il y a pas de cinématique d'intro. Ok. Aucune raison de revenir en arrière. Ok. Ok, je peux pas courir. Je pense que la vue troisième personne, je pense que c'est une bonne idée. Un jour on se le fera en vue fixe peut-être. Okay. Bob, merci beaucoup Bob pour les 10 subs offerts. Oh, un petit gâteau. C'est gentil ça. Hein? Pas fromage? Ah, parce que tu m'entendais. Merci pour le gâteau. La patiente qui vient de m'emmener un gâteau à manger, c'est très gentil. Merci, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour les 10 subs offerts, Bob. Merci énormément, tu régales. Alors. Ok. Alors, on sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'on aura plus d'infos après. J'entends de la musique. Merci énormément pour les 10 subs offerts. Ah, attendez. La radio est encore allumée, je peux pas l'éteindre. Ok. Oula. Pourquoi je suis en écran fixe? Ah, ok, c'est une cinématique. Pas trop dur de trouver du fromage au Japon? C'est pas trop dur, mais c'est méga cher. Si on comprend rien, c'est tout à fait normal. Okay, est-ce que je peux regarder autour de moi? Je peux pas regarder autour de moi. Okay, on a dû se faire recueillir par un mec qui nous a trouvé blessés, peut-être. Le camembert président est à 10 balles. Si. 4 heures plus tard. Ok. C'est Alicia le nom du perso, ok merci. J'avais pas vu. Et on se réveille dans ce manoir et on a aucune info. Ok. Was I dreaming? On a dû faire quelque chose de mal pour finir en prison. Alors. A été ajouté à votre entité mémoire. Alors attends, ça c'est les options.
Ça, c'est quitter vers le desktop les paramètres. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Manuel du jeu. Eh, c'est vraiment, la Resident Evil. Je kiffe trop, quoi. Il y a du ficello au Japon, ouais. Alors, caméra fixe. Mais nous, on joue à la manette, en fait. On joue à la manette. Alors, bien qu'Alicia ait une formation approfondie en tant qu'ambulancière, elle a très peu d'expérience avec les armes à feu, à part quelques sorties de chasse avec son père lorsqu'elle était enfant. De ce fait, on ne peut pas compter sur elle pour réussir tous ses tirs. Dans certaines situations, elle devra décider si elle doit rester debout, se battre ou fuir pour sauver sa vie. Savoir quand faire l'un ou l'autre sera essentiel à sa survie. Faites toujours attention à la quantité de munitions dont vous disposez et vérifiez votre inventaire avant d'affronter vos ennemis. Se lancer dans une bataille sans préparation peut être fatal. Donc la Resident Evil classique, comment tu vas son répine, tu vas bien. Je suis trop hype pour le jeu. Pousser les objets. Ok, certains objets peuvent être poussés. Conseil sur les objets. Il y a deux façons d'identifier les objets qui peuvent être ramassés et utilisés dans le monde. Certains objets clignoteront à l'écran. Alicia tournera la tête pour regarder les éléments et les objets qu'elle peut utiliser. Certains des éléments clés de l'intrigue dont vous avez besoin peuvent ne pas clignoter. Vous devez faire très attention à l'endroit où Alicia regarde pendant certaines scènes. Ça, je trouve que c'est une super mécanique. Le fait que les objets clignotent pas forcément, mais que le perso, tu vois, regarde dans la direction où il y a un objet qui peut être intéressant. Je trouve ça super cool parce que j'avoue que les objets, les jeux où tu vois les objets clignoter à 20 mètres, j'avoue que c'est un peu abusé. Quoi. Caméra fixe. Alors, vous pouvez... Ah, mais moi, je suis pas en caméra fixe. Ok. Examiner les objets. Donc ça, c'est comme dans Resident Evil. On peut combiner des objets. Ok, pareil. Laisser des objets par terre. Oh, c'est comme... Comment il s'appelle, mesdames et messieurs, le Resident Evil, où vous pouvez laisser les objets par terre, il n'y a pas de coffre. C'est pas Code Veronica? Non. C'est pas Zéro? C'est celui où t'es dans le train, je crois. Il y en a un où tu peux laisser les objets par terre et tu peux retourner les prendre. Je sais plus quel c'est. Laisser, vous pouvez laisser les objets. C'est le Zéro. Ok, c'est le Zéro. J'avais bien aimé le Zéro. Ils clignotent et apparaîtront sur votre carte une fois voilà, que vous avez laissé. Certaines zones du jeu vous interdisent d'y déposer des objets. Chaque pièce peut contenir un nombre limité. Ouais, c'est comme dans Resident Evil 0. L'écran d'état. Ok, on a notre mémoire. Ok, on a les fils, la map. Le numéro 5, c'est quoi? Objet équipé. On a notre vie. Ok, bah là, c'est classique. Statut du joueur. Find, caution, caution, danger. Ok. Rétablissement. Utilisez des bandages associés à des pommades ou des trousses de premier secours pour vous soigner. Vous pouvez utiliser des pansements de petite, moyenne, grande taille pour vous guérir, mais ils ne seront jamais... ils ne seront pas aussi efficaces que s'ils étaient combinés à de la pommade. Ok. Écran de carte. Ok, donc ça, on comprend. Sauvegarde et chargement. Vous pouvez sauvegarder votre partie grâce au phonographe. Oh, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Ils sont placés dans le monde. Vous aurez besoin d'un disque vinyle pour utiliser le phonographe et activer une sauvegarde. Oh, les bonnes vibes. Les bonnes vibes à l'ancienne. Vous pouvez charger des sauvegardes à partir du menu principal. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, comment je vais dans l'inventaire? C'est ça, ma question. J'essaye les boutons. Triangle. Ok, triangle, c'est mon inventaire. Où il y a du sang? J'ai perdu une grande quantité de sang. Je dois trouver quelque chose pour me soigner. Okay. Il fait très sombre dehors. Depuis combien de temps ai-je été inconscient? Okay. Le jeu est propre, hein? Je trouve ça vraiment trop stylé que tu puisses choisir le l'angle de vue, tu vois. Un couteau. Let's go. Alors, j'imagine qu'il faut équiper le couteau. Équiper. Alors, comment je... Ok, avec les gâchettes. Ok, donc gâchette L1 pour équiper le couteau et R2 pour... Ok. Il y a une tenue qui devrait vous aller. Changez vos vêtements. On change de vêtements? Vas-y. Tenue de policier. Oh non, d'infirmière. Oh non, costume de femme de ménage. Oh mais mesdames et messieurs, pourquoi vous mettez... Pourquoi? Mais attendez, les pervers ont plus d'argent que les autres? Costume de western verrouillé. Oh merde! Costume de lapinou. Il y a un costume de lapinou? Ah non, abuse pas. Tenue de survivant. Vas-y, on va essayer la tenue normale. Même la typo, je trouve que c'est une vieille typo. Qu'est-ce qu'on a comme tenue là? Oh, c'est pas mal ça. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas acheté les DLC, chat, excusez-moi. Je crois que la vue FPS, elle est en DLC d'ailleurs. Oh, c'est mieux comme ça. Non, mais elle est à la fraîche là, c'est beaucoup mieux. Et sinon, la troisième, c'est la tenue de survivant. C'est un euro? Ok. Oh, j'avoue qu'elle est stylée, celle-là. Vous préférez un, deux ou trois? Moi, j'aime bien celle-là. Regardez celle-là.
Alors, je peux pas courir. On a un bandage. Oh, nice. Ce tissu est trop sale pour faire d'autres bandages. Je devrais chercher autre chose pour me soigner mes blessures. Alors, attends, je vais utiliser le bandage. Attends, on va fouiller d'abord. Parce que si on trouve de la pommade, il y a un truc par terre. Vous ne pouvez plus transporter d'objets. C'est un scalpel. Bon, bah, on va se soigner du coup. Utiliser. Okay. Un embout de tournevis. Ok. Est-ce que je peux courir? Je peux pas courir. Ah si, je peux courir avec le joystick. Ok. Il n'y a pas d'électricité. La porte est verrouillée. Ok. La porte est verrouillée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est très chaud. Ah, merci. Alors, est-ce que je peux utiliser ça? Alicia ne peut pas utiliser cet objet pour l'instant. Ok. Des bisous, Idotina. La 2, la 3, la 3. On est d'accord, la 3, elle est stylée, là. Avec la petite veste en cuir à la Léon. Moi, j'aime bien. Ok, je peux pas utiliser cet objet pour sortir. Ah, je peux l'utiliser pour le... pour le tiroir, peut-être. Non plus. Examiner. L'embout d'un tournevis, il manque la poignée. Ok. Alors, attends. On est bloqué dans une pièce. Là, y a rien. Là, y a rien. Je devrais chercher autre chose pour soigner mes blessures. Attendez, on va être bloqué dès le début, chat. La malle. Je peux pas regarder dans la malle. Non. Attendez, on est bloqué dès le début. Attendez, est-ce que je peux essayer avec le couteau? Non, je peux pas, je peux pas. Okay. Escape room, ouais, on va bien, on va bien. Ici, beaucoup de gens sont restés bloqués. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Alors, je vous rappelle évidemment, chat, vous me léchez, voilà, vous me léchez. Et vous me laissez chercher 5 minutes. Et si au bout de 5 minutes, je trouve pas, vous mettez vue dans le chat. Vous avez une emoticône juste pour ça. Et ensuite, je vous choisirai un par un pour m'aider. Alors, on a une mallette. C'est bizarre que je puisse pas fouiller la mallette. Attendez, analysons la situation. J'ai une porte qui est fermée. Là, j'ai la tenue. Le feu est chaud. Mais non, non, non. Le feu est chaud. Ça fait très dominateur, excusez-moi. Je suis commun pourtant. Hein. Cette blague n'a aucun sens. Alors attends, j'ai aucune idée. Ah, la serrure a l'air fragile. Attends. Est-ce que je peux casser la serrure? Non. Non. Alors, qui a mis vue dans le chat? Personne. Très bien. Ouais, mais toi, tu connais le jeu. Toi, tu connais le jeu. Moi, j'aimerais bien quelqu'un qui connaît pas le jeu, qui réfléchit avec moi, tu vois. Vas-y, Joe. Donne-moi ton idée. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai juste ça. Est-ce qu'on a la map, tiens? La map. Ok, on a aucune map pour l'instant. Tu connais pas le jeu? Ok. Et si jamais vous connaissez le jeu, vous me donnez un indice. Vous me donnez pas la solution comme ça. Ouais, voilà, exactement. Alors. Je sais pas si je suis maso, mais j'adore être bloqué dans des jeux comme ça. J'adore. Alors attends, Joe. Joe, j'ai besoin de toi, là. Je devrais chercher quelque chose à utiliser dessus. Mais... non. Non. Ok. Merde. Bon bah écoutez, Joe veut pas parler. Vas-y gamer, donne-moi ton idée gamer. Joe il s'est dit... je sais la solution. J'ai une idée. Mais je t'aiderai pas. Arrive. Il faut un objet à combiner avec le tournevis. Bah ouais, mais moi aussi je suis d'accord. Mais le problème c'est que le problème c'est qu'il n'y a aucun objet là. J'ai bien tout regardé. Attendez, tu peux pas combiner le couteau avec le tournevis? Bah non, ça a aucun sens. Vas-y, donne-moi un indice, Kyojin, s'il te plaît. Mon idée, c'était si elle tourne la tête pour trouver l'objet. Bah, c'est ce que j'essaie de remarquer depuis tout à l'heure, mais je la vois pas tourner la tête, en fait. Tu vois, elle tourne pas la tête. Indice couteau. Alors.
Est-ce qu'il faut que je tape dessus? C'est ça, faut que je tape dessus en boucle? Non. Oh putain, tu peux l'utiliser comme ça. Ok, en fait je pensais qu'on pouvait juste seulement l'équiper. Ok, ok, tout va bien. Ok, ok, my bad. C'est la mécanique du jeu que j'avais pas compris. Ok, ok, ok. Alors ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a une poubelle, on a une sortie. Ah merde! Ah non, je peux pas combiner. Ah merde, comment je fais? Attendez, je peux poser le couteau par terre? Laissez. Oui. Ok. Je vais combiner du coup ça et le tournevis. Ok, je vais reprendre le couteau. Ok, donc là j'ai un tournevis. Ok. Oh non, il y a des kleps. Oh non. C'est ouvert là ou pas? C'est fermé, il y a un petit verrou. Ok. Dis, ton idée était bonne. Une faible lumière vient de derrière cette haie. Ok. Alors, on va retourner à l'intérieur. À mon avis, on va pouvoir débloquer le tiroir avec le tournevis. Mon couteau n'est pas équipé. Tu as tout à fait raison, mon couteau n'est pas équipé. Ah non, ça marche pas. Ok. Est-ce que je peux utiliser le tournevis ici? Non. Ah merde! Ah merde, c'est pas ça! Ah merde! Derrière la haie, il y avait une statue, mais. Attendez, est-ce que je peux crocheter le petit verrou avec ça là? Non, je peux pas. La porte a l'air vieille, je pourrais sûrement réussir à l'ouvrir avec quelque chose de fin. Ah bah voilà! Le tournevis. Ok, let's go. Okay. Alors, ça dans la vraie vie, ça marche pas, mesdames et messieurs. Vous essayez de triturer un truc avec un tournevis, ça marche pas. Ah bah c'est à l'ancienne. Et le jeu est vachement beau quand même. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a des reflets, regardez! Mais non, je m'y attendais trop pas. Il y a un symbole de Minerve dessus. Okay. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un mauvais pressentiment sur cet endroit. Ouais, moi aussi. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors en fait, le sprint, c'est soit on l'active, soit on le désactive. Verrouillé. Il y a un symbole de soleil. Okay. Est-ce qu'on a un bouton d'accès rapide pour la map? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? Bandage, vas-y, je prends. Verrouillé, il y a un symbole dans. Ok. Alors, notre premier zombie, ça va être quand? Le manoir est méga stylé, ouais. Attendez. Il manque juste l'animation des portes qui s'ouvrent, tu vois. Ah, attendez, cinématique. Ah non, pas du tout. Cette bougie ne peut plus être allumée. Ok. Oh! Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Oh merde, il faut qu'on trouve un briquet. Ok, une bougie que je peux allumer si j'ai un briquet. Ok. Donc ici, salle de bain, faut qu'on trouve un briquet. Minerve, ouais. Ok. Fermé, il y a un symbole de Vénus. Ah ouais, d'accord. Elle est verrouillée. Il y a un symbole de Vesta. Ok. Tu vois, ce genre de jeu, j'ai envie de les faire en marchant, limite. J'aime tellement l'atmosphère et l'ambiance de ce genre de jeu. Je trouve que tu t'imprègnes plus du truc en marchant, tu vois. Ouais, le bruit des toutous dehors, je suis pas fan, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, la porte avec le soleil. On va aller à l'étage. Là, on a rien. C'est verrouillé, il y a un symbole de lune. Okay. Très belle lune, d'ailleurs. Oh, c'est trop stylé. Okay. Oh, il y a un vinyle. Mais j'ai plus de place. Merde.
Donc là, il y a un symbole encore. Poignée en morceaux. Je dois trouver un moyen de la réparer avant d'utiliser cette porte. Ok. C'est un jeu indé, mesdames et messieurs, en plus. Hein. C'est ça qui est ouf. C'est un jeu indé. Hein. Putain, le tonnerre au même moment. Quand tu vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des munitions. Attendez, mais putain, j'aimerais bien augmenter mon inventaire, par contre. Note de l'étranger. Nous sommes arrivés au domaine il y a quelques nuits, moi et l'autre groupe d'initiés qui avons répondu à la convocation du maître. Étions émerveillés par la taille du manoir. Une chose qui m'a traversé l'esprit et que je n'ai pas dite par peur d'être impoli, c'est l'âge apparent du manoir. En particulier les grandes portes d'entrée qui servent d'entrée principale, qui semblent être très vieilles. Le bois étant faible et peut-être cassant. J'ai également remarqué les étranges indentations circulaires à côté de chacune des poignées traditionnelles. Compte tenu de l'importance de nos fonctions ici, je m'inquiète de la sécurité et d'éventuelles forces extérieures qui tenteraient d'intervenir si nous devions attirer une attention indésirable. Cependant, comme s'il lisait dans mes pensées, le maître m'a assuré que les portes étaient très sécurisées car personne ne peut simplement les ouvrir en les tirant. Il a essayé d'expliquer le système en place pour verrouiller et ouvrir les portes. Et cela m'est passé au-dessus de la tête, quelque chose à propos d'un cristal enchanté. Ok. Ah, j'avais même pas vu que tu utilises ton combo, Dimitri. Je suis en plein kiff, chat. Je vais pas vous mentir. Une boule de cristal. Okay. Elle a probablement... elle appartient probablement à l'un des invités. On dirait... Ok, ok. Donc ça, c'est pour sauvegarder. Oh, je trouve ça trop bien. Merci énormément, Brébré, pour les 100 bits. Merci, Little, pour les étirements. En fait, quand t'entends ce bruit de grésillement, ça veut dire que c'est une salle de sauvegarde. Avec la petite musique. Je trouve ça trop bien. Trop smart. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est pas juste un truc, pour l'instant, qui pompe Resident Evil. C'est un truc qui pompe Resident Evil, mais qui essaye d'apporter des nouvelles choses, tu vois. Tu sens que les mecs ils kiffent le matériel. C'est pas comme Ghostwatchers où c'est juste pompé de A à Z, tu vois. Ouais, j'aime bien taper sur Ghostwatchers. Il y a un zombie. Comment tu vas, Adrien, tu vas bien? Ah bah tu sens que les mecs c'est des fans. Oh, attendez, notre premier zombie. Let's go, baby. J'ai pas le couteau. Ah si. Alors attends. Oula, il a tapé une accélération. Merde. Je voulais pas la map. Ok. Oh nice. Oh mais en fait il est pas résistant du tout. Ok. Attendez, comment j'ai fait pour afficher la map? Comment j'ai fait? Merde, il s'est réveillé? Ah non. Attendez, comment j'ai fait pour... C'est un déogène. J'ai affiché la map, mesdames et messieurs, j'ai pas fait exprès. Je sais pas comment j'ai fait. Je devrais sortir d'ici. Alors. Oh non, le briquet! Ok, je vais laisser le bandage dans la salle de soins, du coup. Là, y'a rien. Ok, je vais aller dans la salle de soins. Qui est juste là. Je vais laisser le bandage et je vais aller choper le briquet. Ok. On va laisser le bandage. Merde. Je comprends pas pourquoi nos emplacements sont bloqués. C'est un taillé. Ah oui, c'est un taillé mais vieux. Ouais. T'as peut-être essayé de viser à la gâchette. Bah ouais, je comprends pas. Écoute, c'est pas grave. On va prendre le briquet. Du coup, faut qu'on retourne dans la salle de bain. La salle de bain, elle était où, chat? Elle était là. Elle était là. Non, pas du tout. Elle était au rez-de-chaussée. Elle était au rez-de-chaussée, non? Ah mais attendez, j'ai une carte, je suis con. Salle de sauvegarde. Salle de bain. Elle était tout au fond du couloir, je crois.
Voilà, elle était tout au fond du couloir. Il y a un zombie à la vitre. Lui, à un moment, il va sortir. Là. Ouais, la salle de bain, elle était là. Alors. J'ai un briquet. Ok, nice. On a de la pommade. On a du soin. Des lames en hervier. Ah, c'est pour couper la haie. Ok, rien à voir avec Brigitte, hein. Calmez-vous. Oh putain! Il m'a fait peur, ce con. Vite! Vite! C'est le joueur du grenier! Rien à voir. Oh! Je lui ai coupé le bras! Mais c'est trop bien, il y a du démembrement! Oh, c'est trop bien! Et là, j'ai la clé. Oh, j'ai la clé. Ok. Mais c'est trop bien! Alors, attends. Est-ce que... hésite pas à me dire, Kyoji, si j'ai loupé un truc pour augmenter mon inventaire. Parce que c'est chiant, en fait, de devoir faire des allers-retours tout le temps. Donc, on va laisser le briquet ici. Mais c'est trop bien. Je suis désolé, hein, moi, je suis peut-être simple, mesdames et messieurs, mais... Ah non, c'est pas ça. Je peux pas prendre le coupe-haie. Ah merde, bon, on va prendre la clé. Moi, il me faut des petits trucs, tu vois. C'était pas Usul? Ah, peut-être, ça dépend s'il est de gauche. Ça va arriver naturellement. Ok, merci. Alors attends, il faut... Maintenant qu'on a la clé, c'est quelle clé qu'on a? Examiner. Symbole arcanique sur l'écusson. Ok. Ah, c'était marqué clé antimoine. Attends, antimoine, c'est où? Est-ce qu'on a l'info sur la carte? On n'a pas l'info, on a juste l'info sur les portes fermées. Ok. Ok, non, c'est... Ah si, antimoine, c'est ça? Non, ça c'est Vesta. Ça c'est Vénus. Okay. Ça c'est la salle de bain. Ah, c'était sûr, c'était sûr. Oh, il marche vite lui! Il va me choper! Oh, il m'a gerbé dessus, son tacos! Non, mais il est fou lui. Je peux passer par la fenêtre, non? Ah, c'est là. Ok, nice. L'autre, il m'a germé son tacos à la gueule. Alors. Oh non, calmez-vous les zombies, hein, s'il vous plaît. Des symboles étranges, je ne comprends pas leur signification. D'étranges écritures. Ok. Une peinture étrange. Ok, on voit une statue avec un sceptre et un livre. Il semblerait que quelqu'un était sur le point de le déplacer quelque part. Ah. Et la bande son, écoutez la bande son. La bande son est vraiment bien, chat. Rien que des vieux livres et des dossiers. Okay. Un léger courant d'air qui vient de derrière cette étagère. Oh, comme si un conduit en espace vide se trouvait derrière. Ok, il y a un truc, il y a un secret à trouver. Ça te fait penser à FF? J'ai pas assez joué au FF, je peux pas te dire. Pour l'instant, chat, moi je suis sur une... Enfin, peut-être pas une masterclass, mais... il y a quelque chose d'écrit avec du sang, je ne comprends pas ce que ça dit. Hein? On peut placer quelque chose ici. Ok. On dirait un rituel. Okay. Une sorte de masque tribal. Attendez, c'est... On dirait un vampire. Oh, il y a un gun, là. Il y a un gun. Ok, faut que j'arrive à ouvrir le gun. Je n'ai pas le temps de me reposer. J'adore, Chad. Je suis en plein kiff. Hein. Cette horloge ne fonctionne pas. Okay. Qu'est-ce qu'on a ici? Cela semble très vieux. On dirait que ça date de plusieurs centaines d'années. Ça c'est des bouquins. L'échelle est cassée, ouais. L'échelle est cassée. Putain, ça m'a fait peur. On dirait une sorte de statue de culte. Un petit peu, ouais.
Il y a une petite serrure en or. Alors, faut qu'on trouve un moyen. Oh ! Un sac à dos, cela permet de transporter plus d'objets. Oh oui, oh oui. Oh merci. Oh merci à tous. Oh oui. Oh oui, l'inventaire complet, oui, 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 oui. La poignée de porte, nice. Attendez, y a pas une chanson, la poignée de porte ? La poignée de porte. Ok, nice. Ok, faut qu'on trouve un moyen de réparer l'échelle. Ok, on n'a pas encore accès à l'arme à feu. Alors c'est un jeu qui va vous endormir, je pense, mais moi je prends mon pied, chat, sachez-le. La poignée de porte, c'était à l'étage. Mais du coup, attendez, on avait des trucs à récupérer dans la salle de bain. Salle de bain qui est ici. Ouais, ça m'a tout déverrouillé, je suis refait. On va prendre la pommade. Non, le briquet, non, la pommade. Bon, vas-y, donne le briquet. La pommade, la trousse de soins. On est bon. Merci Megalith pour ton follow, comment tu vas ? Très bien. On aurait dû jouer à ce jeu beaucoup plus tôt en fait. Hein. Il est tellement chill, il est tellement bien. C'est parfait pour vous endormir devant quoi. Je kiffe aussi, j'adore l'atmosphère et le design. Ah ouais, non mais il y a un truc de ouf. Hein. Attendez, la salle de sauvegarde, elle était à l'étage ou pas ? Elle était à l'étage, ok. Elle était pas ici. Elle était ici. Là. Je pense que c'est un bon choix d'avoir choisi la caméra à épaule. Ah mais j'ai pas de vinyle. Alors attends, on va poser des trucs. Ça j'en ai pas besoin. La pommade j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Voilà, on va rester comme ça. Daymare. Phobia, je l'ai fait, j'ai pas aimé. Tormented Soul, je l'ai aussi. Et je l'ai pas encore fait, mais je l'ai. Tormented Soul. En fait, j'avais fait la démo, j'avais énormément kiffé la démo. De Tormented Souls. Ok, là, y'a rien. Vous vous souvenez où il était, le vinyle ? Ah, il était là, sur la table. Ok. Est-ce que, à votre avis, chat, est-ce que ça vaut le coup de sauvegarder tout de suite ou pas ? La démo était bien, ouais. Le jeu a l'air incroyable, mais après tout ce temps et les 9 heures restantes sur la redestre chaude, pas s'assoupir pour en profiter au max. Ah ouais, non mais après vous allez avoir toutes les rediffs et tout hein, sur YouTube, vous inquiétez pas. J'aimerais trop faire ce jeu, mais mon PC est nul. Je pense qu'il faut un PC pas trop mauvais, ouais. Je vais sauvegarder. Tu sais quoi, je vais sauvegarder. Vas-y. Ah, il y a un enregistrement automatique. Vas-y, je sauvegarde. Est-ce qu'ils vont le coup de la... Ah non. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire le coup de la machine à écrire ? Pas du tout. Ah mais chaque sauvegarde, c'est une musique connue, une musique classique. Mais c'est trop bien. Par contre, je vais me faire sniper par YouTube. Oxide Room 104, j'ai détesté. Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien. Non mais c'est trop trop bien. Attendez, si je retourne dans la salle, est-ce que la musique continue? Oh, j'adore. Oh, c'est trop bien. Comment tu vas? Bouche, tu vas bien, Bouchinet? Y a pas de mode streamer, non. Après, c'est de la musique classique, donc normalement ça devrait à peu près passer, mais des fois il snipe quand même. Ah, attendez, la poignée de porte, c'était là-bas. Oh, je trouve ça tellement bien, je vais très bien, merci. Je suis en plein kiff. Hop, nouvelle poignée de porte. Nice. Ok, let's go. Le jeu, c'est un... C'est Vemenos, point d'exclamation jeu. C'est une sorte de Resident Evil. Fait par un studio indépendant. Et franchement, pour l'instant, il régale. En plus, on peut démembrer les ennemis. Regarde, j'ai essayé de lui enlever son bras, là. Ah bah non, désolé. Okay. Bon, les zombies sont pas très très forts, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? On a un bandage, on va le prendre. Oh putain. Eh mais tu vois, lui il est rapide pour le coup.
Du coup, lui, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Non, ça va, il a ralenti. Oh, nice. 4 coups de couteau. Ok, 4 coups de couteau à peu près, il faut. Pour l'instant, ils sont pas très forts, mais ils vont devenir plus puissants. Hein. Putain, regardez, il y a un chien, là. Ah, j'aime pas les chiens. J'aimais pas les chiens dans Resident Evil. À mon avis, je vais pas aimer les chiens dans ce jeu-là. Les zombies, c'est l'inverse de Phasmo. Quand ils te voient, ils ralentissent. T'as vu ça? Incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? La clé de Neptune. Nice. Des vieux livres. Ok. Oh, c'est le... C'est la statue du tableau qu'on a vu. Il faut qu'on lui remette la tête. Ok, il faut qu'on trouve une tête. Ok, le téléphone ne fonctionne pas. Oh, j'adore. J'ai toujours, en plus, j'ai toujours rêvé de faire un Resident Evil 1, mais en caméra. En caméra épaule. Ok, il y a des munitions. J'adore l'ambiance sonore. Elle est incroyable. Bandage. Le son du jeu est assez fort, chat. Ouais, j'ai vu que le 4, il faisait un remake, ouais. Oh, il est pas beau, lui. Hein. Oh, j'adore démembrer des trucs. Et là, je crois que ça m'a pris 5 coups de couteau, là, pour le coup. Vous avez pas vu de tête? Ok, on a une... Est-ce qu'on a, on a un vinyle ici? Je vais pas le prendre parce que sinon j'ai plus de place. Là c'est d'où je viens. Là on a quoi? Oh, on a une lampe. Oh, j'ai une lampe, comment je l'allume? Utiliser. Alice ne peut pas utiliser cet objet pour l'instant. Ah merde, attends. C'est quoi ce bruit? Non. Ah, c'est pour me soigner. Ah, quand tu restes appuyé, tu peux te soigner sur le joystick. Ok. Carré. Ah, rond, c'est la lampe. Oh, trop bien. Mais le jeu est encore plus joli avec une lampe. On dirait que je suis un gamin. On dirait que je suis un gamin, chat. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que j'adore redécouvrir des jeux à la sauce Resident Evil. J'adore, quoi. Ah, et on est à la porte ici où on était tout à l'heure. Ok. À mon avis, les corbeaux, ils peuvent me péter le cul. Je vais prendre le vinyle. C'est rond pour la lumière. Je trouve ça trop bien. Dead Island, ceux d'après sont sympas. Ouais, Dead Island, il est cool aussi. Alors attends, le vinyle, il était où? Il était... Merde, il était où le vinyle, chat? Symbole du soleil. Merde, je suis paumé. Il était où le vinyle? Ce que tu kiffes, toi, c'est les énigmes, oui. L'ambiance sonore me fait penser à un jeu où tu incarnes un bébé en plein cauchemar. A Monk de Sleep. Ah, il est là, il est là. Non, pas du tout. C'est A Monk de Sleep, le jeu que tu parles, je crois. Ok. Hein? C'est fermé de l'autre côté? Ok. C'est A Monk de Sleep. On a fait la découverte il y a pas si longtemps que ça. Alors, la clé Neptune. La clé Neptune. Est-ce qu'on a une porte qui était fermée qui s'appelait la clé Neptune? On va aller sauvegarder. En vrai, la lampe, elle nous sert pas trop pour l'instant. Oh, cette musique, elle me rend ouf. Elle est trop rigolote. Alors, on va poser ça. On va poser... on va poser le bandage. Merde. Et on a une clé, la clé Neptune. Ok. Ouais, vas-y, regarde. Le jeu était sympa, ouais. Dead Island 2, écoute, on l'attend toujours. Hein. On l'attend toujours, Dead Island 2. Alors. Clé Neptune, putain, du premier coup. Incroyable. Tu peux combiner tes tissus, il me semble, pour sauver un espace. C'est vrai? Ok, merci beaucoup. Oh, le... Oh là là, mais les vibes. Les vibes Resident Evil sont tellement folles.
Ici dit non. Non, non, je ne veux plus te tuer. Non, non, non. Vite! Meurs! Merci. Un bureaucrate, ça. Espèce de républicain. Comment ça, tu cours? Oh, je vais couper les deux bras! Chat! Oh, j'adore. Franchement, je pourrais tuer des zombies. Je pourrais démembrer des zombies pendant 10 heures. Il reste combien de temps? 9 heures. Pendant 9 heures. Ok, elle est verrouillée. Ok, donc ça, c'est la salle au-dessus de la bibliothèque où l'échelle est cassée. Ok. Des vieux livres. On peut placer quelque chose ici. Ah! Ok. Les effets de lumière et tout sont trop stylés aussi, hein. Oh, le taf! Ils ont fait un taf hallucinant. Tous ces livres écrits d'une sorte de langue étrangère, je peux en lire aucun. Ok. Oh, une échelle! Descendre l'échelle. Nice. Ok. Pas de bras, pas de chocolat, non mais bien sûr. C'est la base. D'ailleurs, chat, vous êtes plutôt chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir? Pousser la statue. Ah! Attends, non. Des vieux livres. La vieille clé, ok. On a une vieille clé. Chocolat blanc, les trois. Chocolat noir. J'avoue que moi je suis plus chocolat au lait, mais j'ai un petit faible pour le chocolat blanc quand même. Ouh, il y a pas mal de chocolat noir dans le chat. Ok. Alors attendez, la statue. Et celle cachée, je dois faire attention où je mets les pieds. Okay. Alors attendez, pourquoi je pousserais la statue? Je touche rien, ça fait tout seul. À quoi ça sert que je pousse la statue? Ah, c'est pour la faire descendre et débloquer un truc, non? Il y a encore quelque chose que je dois faire. Hein? Merde. Attendez, on a une petite clé. Lait, t'as jamais été fan de choco blanc au lait? Ok. Ouais, moi aussi j'ai une idée. Ouais. À mon avis, la petite clé, ça va nous aider à débloquer un truc. La petite clé, attendez. Examinons la petite clé. Non, examine. Petite clé usée. Ok. Est-ce que la petite clé servirait pas à ouvrir ça, là? Ah merde, pas du tout. Les magnums choco blanc, quel banger. Oh, vous savez, je sais pas pourquoi je pense à ça. Vous savez ce qu'est un banger? C'est le McFlurry au daim. Le McFlurry au daim. Et si on va par là, on pourrait même ajouter les Mikado au daim. Au daim caramel, là. Oh! Meilleur qu'aux Oreo, je veux rien savoir. Le McFlurry au daim est supérieur au McFlurry Oreo. Je sais pas si vous l'avez en France, mais au Japon, on a le McFlurry Oreo, mais on n'a pas le daim, je suis deg. Est-ce qu'il faut pas remonter l'horloge avec ça? Pas du tout. Est-ce que je peux pas débloquer? Ah, attendez, il y a un truc là. Un pistolet, je pourrais m'en servir pour me défendre. Mon père m'emmenait chasser quand j'étais petit. Je dois trouver un moyen de briser la vitrine. Pousser la... Ah, pousser la vitrine! Let's go! On va débloquer le pistolet en faisant tomber la statue dessus. Ah, pas mal ça. Oreo? Ouais, Oreo, je trouve ça surcoté un petit peu. Moi. C'était ton idée, gamer? Oh là là, mais... Non mais lui, dès que ça parle d'armes à feu, de toute façon, t'es sûr qu'il est toujours là. Quoi. Non, non, je suis désolé, le McFlurry M&M, ce n'est pas supérieur au McFlurry Odin. Non, non, non. Oh, les discussions qu'on se tape. Alors, attendez. Attendez, je fais un Alt-Tab, il faut que je... Hop, j'appuie juste sur un bouton. Et je suis de retour. Ah, le jeu a planté. Ah non, c'est bon. Le portrait d'un vieil homme. Ah, c'est des piercings. Ok. Probablement le propriétaire du manoir. Il a l'air grotesque, presque inhumain. Mais ça a l'air d'être un vampire. Ça a l'air d'être un vampire. Il y avait un nouveau nappage qui était pas mal, mais ils l'ont enlevé, c'était choco-noisette. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Les M&M's, c'est tellement la base. Mais j'adore les M&M's, hein.
Tu vois, si je dois les bouffer comme ça, je préfère bouffer des M&M's que des daims. Mais dans un McFlurry, je préfère le daim quand même. Alors. Écoute, c'est un jeu de chill, mesdames et messieurs. Il faut bien qu'on discute en même temps. Je veux dire. Sinon, achetez le jeu, faites-le vous-même. Hein. Oh, il y avait quoi dedans? Une clé en forme de cœur. Alors, je crois que le jeu est sorti sur PS4 aussi. Hein, si je dis pas de conneries. PS4 et Xbox, il me semble. On va éteindre la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une clé. La clé de Vénus. Nice. Et on a un pistolet, mesdames et messieurs. On a un putain de pistolet. Est-ce qu'on a un laser avec équipé? Ok, on n'a pas de laser. Ok, nice. Nice, nice, nice. Alors, attends. Spéculoos. Ah, je suis pas fan des Spéculoos, tu vois. Je suis pas un grand fan de Spéculoos. Alors attendez, mesdames et messieurs, que je réfléchisse. On a la clé de Vénus, on a une petite clé. On a des munitions. Et on, surtout, on a plus de place dans l'inventaire. Je pense qu'on va aller poser le bandage. Attendez, est-ce que ça vaut le coup que je me soigne? Je sais pas si ça vaut le coup. J'aimerais bien tester le pistolet. McFlurry Kit Kat au Québec? Oh, stylé! Holy shit! 3! Tada! Meurs! J'arrive pas à lui toucher la tête. Comment je recharge? Avec carré. Ok, une balle dans la tête. Pourquoi tu cours? 2, 3, 4. 4 balles dans la tête. Je suis en train de niquer toutes mes balles. Et je tire n'importe comment. Ok, super. Voilà, super. Je viens de débloquer un gun et j'ai déjà tout utilisé. Je suis comme un dingue. Merde. Équipe le couteau. Merci. Mais pourquoi il a pas équipé le couteau? Attendez, j'ai équipé le couteau, je suis pas teubé. J'ai le couteau d'équipé, on est d'accord? Ah, ok. Non mais mec, je t'ai mis je sais pas combien de balles dans la tête là, respecte-moi. Le mouvement des zombies est trop bizarre. Je kiffe. Holy shit. Meurs, meurs, pourriture communiste. Je vais me soigner. Ok, je l'ai utilisé. Mais tu vois, il me reprend le gun. Ah, avec L2 c'est le gun, avec L1 c'est le couteau. Ok, excusez-moi, je suis teubé. Ok. Bon bah je viens de niquer toutes mes balles. Ok, ok, ok. Alors attendez, je suis où là? Ah oui, là c'est à la salle de bain. Faut que j'aille à ma salle de sauvegarde. Et là, y a rien. Ok. J'avais complètement oublié que la vue épaule décale le viseur et donc c'est ultra compliqué de viser correctement la tête des zombies. Attends, ma salle de sauvegarde, elle est où? Elle est à l'étage. De la bouffe. On va aller à l'étage. Putain, ils ont un peu abusé sur les zombards. Hein. Mais il va me bouffer, il est... Attends, on dirait Al Pacino. Al Pacino, laisse-moi tranquille. J'adore. Mais non, mais non, mais non. Oh, il a trébuché sur son bras, vous avez vu? Trop stylé, ça. Bah ouais, mais en fait je pouvais pas économiser les munitions, il y avait 3 zombies, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Putain, ça me fait toujours autant rire ce truc. Alors attendez, j'ai une trousse de soins là. On va peut-être la garder. On va prendre les munitions. On va recharger notre gun. Ok, on va recharger notre gun.
On a la clé Vénus, qu'est-ce qu'il y a par terre? Le briquet, j'en ai pas besoin. On va prendre le bandage, qu'on va combiner à de la pommade, pour voir combien ça nous rend de vie. Ok, et on va reposer la pommade par terre. Donc là, si je me soigne... là. Donc là, elle s'applique le bandage. Oh, ça nous rend une masse de vie. Ok, nice. Ça, c'est pas mal. On va pas sauvegarder tout de suite parce que j'ai qu'un seul... J'ai même pas de vinyle. Si, j'ai un vinyle, mais je l'ai posé ici. Ok. Ok, let's go. D'ailleurs, t'as moyen de recharger plus vite aussi. Comment ça, Kyojin? Ah, en passant par le menu? Ouais, mais c'est triché, passer par le menu pour sauvegarder. C'est triché, non? Là, c'est la clé de tout à l'heure. Là, c'est fermé. Ok, donc là, c'est où on était tout à l'heure. Attendez, là, il y a une autre porte. Elle est verrouillée, le symbole terre. Ok. Do it. Comment ça, do it? N'oubliez pas à sortir ma pizza aux chèvres. Oh non, parlez pas de bouffe, s'il vous plaît, sinon je vais commencer à bouffer, là. Là, qu'est-ce qu'on a? Elle est verrouillée, Minerve. Ok, Minerve, on s'en fout. Vénus, ça doit être en bas, du coup. Là, c'est la lune. Là, c'est quoi? Minerve. Là, c'est Vénus. Pas du tout. Le soleil. Le soleil. Là, c'est Vénus. Let's go. Pas du tout, c'est d'où je viens. C'est la bibliothèque. Okay. Par le menu, ouais, bah ouais, c'est ce qui me semblait, par le menu. Donc ça doit être là. À côté de la salle de bain, du coup. Voilà, ici. Voilà, la clé Vénus. Let's go. Moins de 9h. Ouais, incroyable. Honnêtement, si le jeu me plaît comme ça de ouf, moi je... Pour l'instant, je vois pas le temps passer. Attendez, il a l'air rapide, lui. On peut pas le tirer dans la jambe? Oh, il a ralenti. Michael Jackson. Alors, je sais pas si c'est le fait de lui avoir tiré dans la jambe qui l'a ralenti. Mais en tout cas, bien joué. C'est très joli ici, dis donc. Ok, le bruit qui est à peine stressant. Moi, tout va bien, j'ai déjà mangé un bon burger, c'est vrai? Les restos ouverts toute la nuit au centre-ville. Oh là là, on se régale. Ok, on a deux zombies. On a un policier. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, là, on peut sauvegarder. On a un feu. Okay. Est-ce que je peux casser ça? Ah, dommage. Ah, attendez. Le cri de ralliement. J'ai dormi 4 heures en 3 jours. T'es sérieux? Holy shit. L'heure des comptes approche. Bien que je n'ai pas entendu le tintement des cloches de la cathédrale qui serviront de convocation à Lord Elfrid, je peux sentir l'impatience croissante parmi les autres membres. Pour certains d'entre nous, minuit ne pourrait pas arriver assez vite. Pourtant, certaines de nouvelles recrues ne sont pas au courant de l'événement spécial de ce soir. Et seront donc probablement interrompues dans leur rituel nocturne lorsque nous, du cercle des anciens, les ferons passer de leurs tâches inutiles à leur véritable devoir, leur destin ultime. Ils répondront à l'appel de Lord Elfrid, qu'ils soient prêts ou non. Ok, donc le grand méchant du jeu, Lord Elfrid. Très bien. Des bisous, gamer. Gros bisous. Merci à tous. Hey, zombie. Merci beaucoup, zombie. Mégalith pour le follow. Merci, zombie, pour ton deuxième mois. Ça fait grand plaisir. Merci énormément. Alors, gauche pour interagir. Joy B pour sortir. Alors, le problème, c'est que je sais pas sur quoi il faut régler le truc. On va mettre sur 60. Voilà. Ok, on sait pas comment la régler. Pour l'instant, on n'a pas l'info, tu vois. Spaghetti italien. Oh là là. Attendez, je suis où là? Oh, attendez. On va approcher tout doucement. Tout doucement. C'est dommage qu'on peut pas lui briser la nuque par derrière. Oh l'enculé! Oh putain! Non mais attendez, c'est interdit ça!
Il m'a fait une John Cena. Et là, il est lent, je comprends. Il est pas lent du tout. Je comprends pas trop comment il fonctionne, ces zombards. Qu'est-ce qu'on a ici? Une tenue antique se tenant dans l'obscurité. Oh putain, faut le briquet. Ok, faut le briquet. En fait, les zombies sont rapides. Et là, il est lent. Ok. Donc, je vais attendre qu'il soit lent. Et je vais le finir au couteau. Et si jamais il accélère, on se bat. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que j'ai pas beaucoup de munitions. J'adore. J'adore. Mais non, mais... Mais comment il peut me choper? Il a pas de bras! La porte est verrouillée, il y a un petit verrou, utilisez l'ancienne clé. Nice. C'est les zombies les plus malins que j'ai jamais vus, mais moi aussi, quoi. Putain, je suis en train de niquer tout mon soin. Alors, je suis à l'extérieur. Non, mais il y a trop de zombies. Comment vous voulez que je joue, là? Regardez ça, il y a deux zombies. Je peux pas les esquiver, en plus. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris avec le couteau. Mais non, mais... Je vais devoir utiliser mes munitions, hein. Je suis en train de niquer tout mon soin, là. Attends, je peux pas le faire tomber, plutôt? Mais tombe, enculé! Mais tombe! Mais... J'ai affiché la carte sur... J'en ai ras le cul. Je suis... Non mais je suis nul. Non mais attendez, je suis... Non mais vous pouvez le dire que je suis nul, chat. C'est quoi ça? Un chargeur. Oh putain. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, la tête de la statue. Let's go. Note de Gérald au personnel. Je crois que j'ai fait une erreur. Le maître a préparé la dernière fournée d'élixir pour notre prochain rituel. Dans mon excitation à provoquer ce merveilleux changement dont il parle, j'ai peut-être bu quelques gorgées d'une des coupes cérémonielles de la cuisine. Je sais que le maître est omniscient et sage, mais je pense qu'il a peut-être utilisé la mauvaise recette cette fois-ci, car j'ai commencé à me sentir très bizarre un peu après avoir avalé le mélange à goût amer. Mais ça, c'est parce qu'il a pris du level up au lieu de la holly, mesdames et messieurs. C'est pour ça. Ah non, erreur fatale. Mes bras et mes jambes bougent de leur propre volonté, ce qui rend l'écriture de cette note assez difficile. Et les pensées d'étranges songeries qui ne viennent pas de ma tête. Des pensées intrusives de violence et de menaces surgissent de nulle part, me rendant presque fou. Je ne sais pas ce qui se passe. Si quelqu'un a besoin de moi, je serai dans la salle de bain. Je pense qu'une longue douche... Eh, hey, donc ça l'a transformé en zombie. Ok. Putain. Je vais devoir aller à la salle de sauvegarde, chercher le briquet. Et le jeu est dur, chat, hein. Le jeu est dur, hein. T'as plein d'épiceries, resto. Ah ouais, ok, vous parlez de bouffe. J'ai pas une salle de sauvegarde qui traîne, là? Non, j'ai pas envie d'y aller par là. C'est quoi ça? Verrouiller le symbole du soleil. Oh, un petit bandage. Petit bandage. Attends, j'ai pas envie de descendre là encore. Je vais aller me soigner, sauvegarder. J'ai pas trop le choix là. Merci à tous. Oh, Diz. Jamais douté. Merci beaucoup, Diz, pour ton quatrième mois. Merci énormément. Là, à 7h, quand tu reviens le lendemain de cuite, tout le monde... Ah ouais, non, mais on est d'accord. Ça va, chat? Je vous endors pas trop? Je vois que les gens vont se coucher, vous avez bien raison. On a quoi ici? Elle est verrouillée, le symbole de Vesta. Ok. Alors, on va aller à la salle de sauvegarde qui est à l'étage. On va se soigner, on va essayer de mieux jouer. Oh, Venom, merci beaucoup pour ton follow, Venom. Tu vas bien? On traîne la patte un petit peu, hein. La petite papate.
crois que je vais faire nuit blanche, c'est vrai. Dors pas, tu manges. Bah écoute. Ah mais je vous vois. Balzefo, tu vas bien? Oh putain, cette musique. Cette musique incroyable. On va se soigner. J'ai envie de prendre... J'ai limite envie de prendre une trousse de secours. Mais je pense qu'on va combiner les... non, on va prendre les deux bandages là. On va les combiner avec de la pommade. On va se faire ça comme ça, regarde. On va combiner ça avec ça. Et on va combiner la pommade avec ça. Ça va nous remettre full life. Ah, j'adore. Ouais, peut-être pas full life, mais pas mal. On va prendre le vinyle. On va sauvegarder. En deux, parce qu'on est des oufs. La musique me surprend à chaque fois. Alors attendez, on a une nouvelle musique ? Ah, du coup, ça change la musique de la salle de sauvegarde. Putain, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, quoi. Et on va prendre le briquet. Putain, mais j'adore, mais cette idée, elle est incroyable. On dirait du Vivaldi, ouais. Ouais, j'ai... Ouais, tu vois le visage sur le vinyle, ouais. Mais je l'avais pas reconnu, excusez-moi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu sais ce que c'est la musique. C'est trop bien. Ouais, je me suis endormi tout à l'heure, si vous voulez écouter. Je me suis endormi, il y a pas de souci. Raconte ta vie, fais-toi plaisir. Tu sais, c'est 5h du matin. Alors attends. On a le briquet et la tête. Est-ce que vous vous souvenez où c'était la tête de la statue? Tête de la statue, c'était où? C'était où déjà? Non, cette idée est vraiment incroyable. Ouais. C'est vraiment une très très bonne idée. La statue, non, c'était pas ici. Là, il faut la clé. La statue, c'était pas ici. Salle de sauvegarde. Attendez, c'était là? Ah, c'était là, non? Non, verrouillé. Ah non, là on est à... Oui, on est à l'extérieur. C'est ici, non? Attends. Oui, j'ai la carte, c'est vrai, mais j'aime bien... Tu sais, moi je suis le genre de mec qui lit pas les instructions. Ok. Tiens, regarde, tu vois, j'ai pas besoin de la carte. Non, mais la carte, c'est pour les gens. Ça sert à rien. À mettre la tête. Et ça fait tomber un cristal de lumière. Ça fait tomber un cristal de lumière. Ok. Ok. On va aller allumer du coup maintenant la bougie qu'on a vue tout à l'heure. Requiem de Mozart, bah, il y aura sûrement du Mozart. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était ma sonate favorite. Claudia, t'as été vilaine, vilaine. J'ai pas la ref, je suis désolé. J'ai pas la ref. Alors, la salle de sauvegarde. Attendez, y'a Tutis qui veut voir si c'est du Vivaldi. Moi, je claque Maoli en attendant. Je pense qu'il y a... Bah en vrai YouTube ils sont un peu chiants avec les droits d'auteur donc il y a moyen. Ça c'est une petite petite pizza mesdames et messieurs. Fromage, patate douce avec des noix dessus. Incroyable. Incroyable. Attendez, le briquet c'était à l'extérieur. Donc c'était en bas, non? Attends. Je suis paumé là. À l'extérieur. Ouais, donc c'est en bas. Ok, je sais où c'est. Ok, je sais où c'est. Oh, les lasagnes au four. Ouf. Ok.
Ok, c'est là. Tout au bout. Et c'est la porte qui est ici, je crois. La porte juste là. C'est là. Bah, pour l'instant, on a qu'une seule save room. Non, c'est pas du tout celle-là. On a une deuxième same roof dans la salle du buffet. C'est celle-là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dans cette salle-là, je crois qu'on peut sauvegarder. J'aime pas le fromage froid et si c'est chaud, j'aime pas fort. Alors même moi, je déteste, mais malheureusement, j'aime beaucoup la raclette. Ah bah écoute. Voilà, je pense qu'ici, on peut sauvegarder là. Alors, du coup là on sort. Voilà. On va sortir. La sortie c'est où? C'est là. On va allumer le briquet. Enfin allumer la bougie. Après avoir allumé le briquet pour le coup. Okay. J'aime pas ces chiens qu'on a. Attendez, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Attendez, je croyais que c'était ici. Ah merde, c'est pas ici? Ah merde, c'est pas ici? Je croyais que c'était là, moi. Attendez, c'était où, chat? C'était où? Ah non, c'était dans le couloir. Pourquoi? Non, non, c'était dans le couloir, c'était pas dehors. Ma mémoire, pardon, ma mémoire me joue des tours. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Resident Evil. C'était tout au fond du couloir, juste là. C'est là, c'était là, c'est là. Zouzou. Oh! Ah oui, ah bah volontiers, je prends. Let's go. Ok. Alors. On a une porte qui descend. On n'a pas testé cette porte là. Est-ce qu'il y a des boss dans le jeu, Kyojin? Ok, on en a un ici. Un ici. Oh là là, c'est magnifique. Un tout en haut. J'ai combien de balles? J'ai 11 balles. J'ai 11 balles. Il y a moyen de les esquiver là, non? Je veux la réponse? Non, je veux pas la réponse. Excuse-moi, excuse-moi d'avoir demandé. Ok, c'est ouvert. Oh, une salle de sauvegarde! Ok. On a qui dessus? Ah bah, eh! Regarde. On a des balles. Ok. Ok, pas mal. On va laisser la trousse de soins ici. On va laisser ça ici. Et la trousse de soins ici aussi. Voilà. Et le briquet. C'est quoi? À mon avis, on ne veut pas réutiliser le briquet de sitôt. Voilà. Là, il n'y a rien. Là, c'est fermé. Il y a un symbole de soleil. À mon avis, dans cette salle, je peux les esquiver. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la clé de la lune! Nice! Faut juste pas que l'autre des escaliers se ramène en fait. On a des munitions, vas-y prends. Symbole de soleil. Ok. C'est quoi que j'ai moi? Clé de la lune. Ok, la clé de la lune, faut retourner, je sais où c'est. C'est quoi ça? Ça marche pas, il manque quelque chose. Ok. Attendez, on va tester cette porte. Cette porte ce n'est pas une porte ordinaire. Ok, faut peut-être caler un truc à l'intérieur. Ok, donc là j'ai visité. On va aller visiter là-bas. Merde, il y a un zombie ici. Oh merde, ils m'ont tous vu. Ils m'ont tous vu. Oh mais ils sont nombreux. Non mais ils sont trop nombreux, c'est un truc de ouf. C'est quoi ça? De la pommade? Je vais me retrouver bloqué. Attendez, il y a un truc là. Ok, là c'est fermé. C'est quoi ça? Pas d'électricité. Ok. Ah oh, bah ça va, on peut faire le tour en fait. Ça va. Là il y a quoi? Oh non, c'est là qu'il y a les chiens, non? Oh non, pas des toutous, pas des toutous.
Oh, donc prendre une porte, ça reset la position des zombies. Ok, ça c'est bon à savoir. Ok, ça c'est bon à savoir. On va essayer d'aller à l'étage. On va essayer d'aller à l'étage. Okay. Je sens quelque chose de sombre et maléfique en émane. Ok. Oh, putain, mais il y a des zombies de partout. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite fille avec sa maman. Ok. Tu l'es un par un, mais non. Dark Room. Oh, attendez, la Dark Room. On a trouvé les Dark Room, mesdames et messieurs. Il y a des zombies de partout dans ce jeu, c'est quoi ce délire? Ok, il faut faire tomber le chandelier. Là. On dirait que ces chaînes retiennent le lustre. Et je peux pas là. Ah merde, je peux pas là. Faut que je la coupe, faut que je tire dessus. Est-ce qu'il faut que je tire dessus à votre avis? Pas du tout. Ok. Merci à tous. On tue pas les toutous. Bah je vais devoir tuer les toutous, hein. Je suis désolé. Hein. Tous ceux qui aiment les toutous. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un vinyle ici. Ah mais j'ai plus de place. J'ai plus de place sur moi. Non mais attendez, le manoir est tellement immense là. J'ai l'impression qu'il est plus grand que celui de Resident Evil 1 quoi. Aaron, pouvez-vous dire à l'un de vos employés de la cuisine que les horloges doivent être remises... Oh, à zéro à cet étage. Je sais que le maître aime que les choses soient précises. Vous pouvez leur demander de vérifier l'horloge de la cuisine également. Celle-ci a tendance à tomber en panne souvent. Je dois m'assurer que les repas sont à l'heure. Ok. L'horloge de la cuisine. Il faut qu'on trouve la cuisine. Ça tombe bien, on parle de bouffe. Ok, verrouillé de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, une statue. Verrouillé, il y a une petite serrure en or. Ok. Et je trouve ça tellement stylé, chat. C'est un truc de ouf. Verrouillé, symbole du soleil. Ok. Je pense qu'on va aller ouvrir la porte de la lune. Hein. On a rien d'autre à faire. Il est mort, lui. Oh! Enculé. Ok, on va aller à la lune. Oh non, je suis bloqué. Allez, ça passe. Let's go, baby. El Matador. Comment tu vas, Deep? Tu vas bien? Avant le boulot, bon courage pour le taf. Merci, merci beaucoup, Deep. Ah bah là, je peux dire que le courage va beaucoup mieux parce qu'on est sur un jeu que je kiffe, là. Je kiffe tellement. Attendez, là, c'est quoi? C'est fermé, à votre avis, ici? La clé de la lune. Alors, attendez, j'ai envie de retourner là-bas parce qu'au tout début, il y avait la clé de la lune, aussi. Il est mort, lui? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je sais que c'est un mort-vivant. Non, mais calmez-vous. Je sais qu'il est... Calmez-vous. Vous avez compris. Moi, j'aime bien ce jeu. Si tu kiffes, on augmente le timer. Écoutez. Moi, je kiffe. Est-ce que c'est pas le principal, quelque part? Ça me donne envie de... Tu vois, de rester. Tout à l'heure, j'avais envie de couper le live. Et là, j'ai pas envie. Là, parce que je kiffe le jeu. Ok, c'est pas cette porte-là. C'est pas cette porte-là. C'est la porte tout au fond, je crois que c'est celle-là. La porte lune. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est la salle du début. D'accord, c'est la salle du début où je peux changer de tenue. Vas-y, on va changer de tenue. On va mettre la numéro 2. On va regarder jusqu'à la fin du stream, vu que ça donne envie de regarder jusqu'à la fin. Mais c'est gentil. On va partir sur du Phasmo tout à l'heure. J'ai envie de rejouer à Phasmo. Je suis désolé, je suis casse-couille. Hein. Mais ouais, franchement, pour 35 balles, je trouve qu'il les vaut largement. Je sais pas combien de temps dure le jeu. Mais pour l'instant, je trouve ça vraiment stylé, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas un Resident Evil cheap, tu vois. On a vraiment un truc de qualité. Ça fait plaisir. La petite tenue de Lara Croft. Bon, tu vas, Marie, tu vas bien. Salut, Locke. En assomné, j'ai cru comprendre. Ouais, je suis en marathon, là. Ça fait 31 heures, là. Alors.
Ouais, le défi Phasmo a été fait. Mais vous inquiétez pas, on va trouver d'autres conneries à faire. Alors, avant d'aller dehors, je veux visiter. Hein. Je veux visiter. En bas, là. Ici. Ouais, c'est vrai que la Phasmo, c'est la base de tous les gueux. Ouais. Ah, la cuisine! Ouh, attendez, ça sent le fromage, là. Lui, il va se réveiller quand je vais prendre les munitions. On va essayer de se la faire au couteau. Attendez, je peux pas faire un demi-tour rapide? Attendez, j'ai pas testé ça. Et merde. Normalement, dans Resident Evil, tu peux faire un demi-tour rapide. Ok, elle est dead. Ah, je peux pas faire de demi-tour rapide. Oh non, alors ça par contre, c'est une des meilleures fonctionnalités des vieux Resident Evil, le demi-tour rapide. Ok. Oh! Je lui ai explosé la tête. Il y a un mont de charge, peut-être que transporter de la nourriture. Peut-être pour transporter de la nourriture, ok. Trop bien. Alors attendez, on va prendre notre lampe torche. Oh ben regardez, regardez l'effet de lumière. Je trouve trop stylé l'effet de lumière. Alors attendez, il parlait de l'horloge dans la cuisine. Lui il va se réveiller. Meurs Thierry. Merde. El Matador. Il a pris cher. Oh attendez, il y a une horloge là. Une horloge de table, elle ne fonctionne pas. Je peux voir un petit papier en dessous. Déplacer l'horloge. Ok. Des vieux, les demi-tours rapides étaient présents qu'à partir du 3. T'es sérieux, Locke? Le demi-tour rapide est... Ah ouais? Putain, j'aurais dit qu'il était là depuis le premier, moi. Ah, mais c'est... Je sais pourquoi, Locke. C'est parce que j'ai joué au remaster, moi. Et du coup, le remaster, ils ont dû implémenter... Le premier, l'original sur PlayStation, il n'y avait peut-être pas le demi-tour rapide. Ok, ok. La note dit 6h40, heure du dîner. Ok, donc faut qu'on mette l'horloge à 6h40. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La serrure est bloquée, je peux pas ouvrir cette porte. Ok. Alors attends, j'aimerais bien... Est-ce qu'on peut trouver quelque chose à se mettre sous la dent, là? J'ai un peu la dalle. Là, il y a un cadenas. Cette porte est verrouillée par un étrange mécanisme. Ok. Y a pas un petit bandage? Oh, vieille clé. Let's go, on a une vieille clé. Ok. Est-ce que ça nous aide pour la vieille clé, ça? Pour la porte, pardon. Non, pas du tout. Okay. 6h40, souvenez-vous-en. 6h40, l'heure du dîner. Ils ont rajouté la fonction de la remake. Ouais, ok, ok, ok. Tu devais arrêter et pivoter. Ah ouais, ouais, bah c'est moi, j'ai joué au remake la dernière fois, donc ça doit être pour ça que j'ai dit ça. D'ailleurs, Resident Evil 1, 2 ou 3, votre préféré, mesdames et messieurs. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Attendez. 6h40, l'heure du dîner. C'est où le dîner? Le dîner, c'est où déjà? C'est ici. RE2, RE1. Je vous parle des originaux, hein. Je compte pas les remakes. Hein. Ah non, c'est pas ici le dîner. Vous préférez c'est le 4? Non, non, non. Entre le 1, le 2 et le 3. Et notre héroïne ne mourra pas l'invasion de zombies, mais sacrée indigestion alimentaire. Exactement. Ici. Alors attends, le dîner c'est où? C'est ici, je crois. Le premier pour la nouveauté, le début de l'intrigue. À chaque fois que je reviens, il est toujours un max de temps. Eh ouais. Moi c'est le 2. Hein. Le 2, je trouve que c'est tellement une tuerie. Alors 6h40. On va aller dans l'autre sens, ça va aller plus vite. Le 2, autant le remake. En vrai, le remake... Est-ce que chat, vous pouvez me trouver des bons remakes? Honnêtement, je trouve que Resident Evil 2, c'est un des meilleurs remakes de l'histoire du jeu vidéo. Je le trouve incroyable. Le 2, non mais le 2, le jumpscare au début du 2, quand vous êtes dans la... dans le gun shop, et vous avez les zombies qui passent à travers la vitrine, là. Holy shit. Alors attendez, 6h40.
Let's go. Qu'est-ce qu'on débloque? Le remake de... Ah, le remake d'FF7, il paraît qu'il est super quali aussi, ouais. L'ambiance du commissariat, ça m'a donné peur. Beaucoup de bâtiments. Ah ouais, non, mais je te comprends. C'est gentil, Camille, merci beaucoup. Comment tu vas? Alors, on a un engrenage. On a débloqué un engrenage. Et une vieille clé. Alors, attends. Attendez, faut que je réfléchisse. Est-ce qu'on a un endroit qu'on n'a pas visité pour l'instant, chat? On a dehors. Mais dehors, j'ai pas trop envie d'y aller. Tu veux voir la map? On a dehors. On a la salle de sauvegarde. À l'étage. Ouais, en fait, il y a juste dehors qu'on n'a pas visité. Hein. Je crois que je suis obligé d'aller dehors, chat. Hein. Je suis obligé d'aller dehors. Soso fait son meilleur dodo en ce moment. Allez, let's go. Ça marche si tu mets une balle dans la tête du zombie à la fenêtre? En fait, j'ai peur que ça casse la fenêtre. Vous voulez que j'essaye? Vous voulez que j'essaye ou pas, chat? J'ai peur que ça casse la fenêtre. Je voulais choisir. Je voulais choisir. Ne répondez pas tous en même temps. Bon bah ok. Je savais. Putain, vous faites chier. Je le savais. Holy shit, let's go. Ah par contre, il donne des munitions. Je le savais. Eh ben, tu vois, ça, c'est pas mal. Bandage, j'ai plus de place. Merde. Oh putain, mais pourquoi je suis passé par là? Sérieusement, je suis con, quoi. Oh, mais putain. Eh, le nombre de balles qu'il lui fallait à lui. Bon, tu vas, Toxflu, tu vas bien? Les munitions coûtent cher, mais ouais, non mais pourquoi je vous écoute, chat, aussi, là? Ou j'arrête de vous écouter, ne jamais écouter son chat, pourtant, c'est la base. Je m'améliore au niveau de la visée, t'as vu? Alors. Attendez, faut que j'aille où, chat? Y'a quoi, déjà, ici? Il a le crâne solide, ouais. Ah oui, la cuisine. Ok. Attendez. Je crois que je suis obligé d'aller dehors. Deuxième salle avec la clé de la lune. Mais j'ai fait les deux salles. J'ai fait cette salle ici et j'ai fait la salle... La salle... Je crois que je suis obligé d'aller dehors. Ou ici. Là, je me souviens plus des salles. Merde. Ah non, ça, c'est une salle de sauvegarde. On va sauvegarder, je pense que ça vaut le coup de sauvegarder. On va déposer des objets. La roue, tu vois. Non, on va déposer ça. On va déposer la roue. La vieille clé, on va la garder. Est-ce qu'il y a moyen de voir les objets que t'as posés au sol sur la carte? Mais non, malheureusement, il n'y a pas moyen. Tu vois juste s'il y a des objets au sol. Ah, c'est chaud. Oh, je vais sauvegarder. On aura une bonne musique là, je le sens. J'ai sauvegardé en numéro 3. Alors, quelle musique on va avoir? Non, mais vous allez tout débloquer, Nini, t'inquiète pas. Écoutons. Oh! Alors, celle-là, elle est connue. Hein. Clair de lune, ça, non? Il me semble que c'est clair de lune. Je mange une sorte de pizza à la pomme, à la patate douce.
Merci à toi, Audrey. Merci beaucoup. Des bisous, prends soin de toi. Avec des noix dessus et du fromage. Merci beaucoup, Audrey. Ça me fait très plaisir, ton message. Ah non, c'est le soleil. Merde, c'est pas la lune, c'est le soleil. Est-ce que tu peux m'aiguiller, Kyojin? Là, c'est le soleil aussi. Ah, attendez, la vieille clé, c'est pas pour ça? Non. Encore. Ouais, ouais, c'est pas mal d'intégrer des vrais, de la vraie... Ah, c'est là pour aller dehors. De la vraie musique classique et tout, je trouve ça trop bien. Bon, chat, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a moyen que j'esquive le yinche? Il y a des bandages là-bas sur le banc. Ok, le chien est là. On va essayer de l'esquiver. Une tête de lion, on dirait que je peux pas l'enlever à main nue. Il court ! Pardon. Bandage. Ok, là-bas il y a un truc. Ok. Mais il y a... Ok, il y a des chiens de partout. Il y en a deux, des chiens en fait. Là, qu'est-ce qu'il a dans la main lui? Des balles? Vas-y, oublie que t'as aucune chance et fonce. Oublie que t'as aucune chance et fonce. Je suis dans la merde, c'est pas grave. C'est pas verrouillé, c'est pas verrouillé. La serrure est bloquée, je peux pas ouvrir cette porte. Nique-toi. Tue les chiens, non mais... Voilà, voilà, va voir ta mère. Voilà, non mais voilà, casse-toi vite. Casse-toi vite, casse-toi vite. Voilà, casse-toi vite. Merde, il revient. Ah là je suis bloqué, hein, j'ai pas le choix. Alors que je lui mette des balles dans la tête. Oh, il en a rien eu à foutre. Il en a rien eu à foutre. Ok, je suis désolé hein. Des bisous à tous les Doberman qui nous regardent. Attendez, on a un zombie qui arrive, faut que je me casse. Mais... Ok. Non mais attends, je suis trop dans la merde. Je suis trop dans la merde là. Comment je vais faire? Fais demi-tour, nice. Fais demi-tour, Hirsch. Ok, il est bugué. Ok. Comment je pourrais faire? Ok, il a essayé de me vomir dessus. Est-ce que si je me mets là, est-ce qu'il s'en va? Non, il vomit. Et mange combien, les zombies sont lents. Ouais, c'est ça. Non, il fait pas demi-tour. Il fait pas demi-tour, merde. Ah, j'ai pas envie d'utiliser mes balles, fais chier. Merde. On va viser la tête. Oh! Ok. Oh, attendez, je peux passer là, non? Là, ça passe. Bloqué par le poteau. Oh, l'esquive! Esquive, bitches! El Matador. T'as de la chance, je peux pas te t-bug. Verrouillé. Il y a un petit verrou. Oh, la clé ancienne. Nice. Attendez. Je vais finir de visiter. Il y a un zombie là. Ah, c'est là qu'il venait le policier tout à l'heure. Ok. On a le mec ici. On a Georges. C'est quoi ça? La crème? Ah, c'est bien ça. La crème hémorroïde. Je peux casser ça? Oh, je peux casser. Alors ça, Resident Evil 4. C'est quoi le truc rouge? Ok, j'ai eu peur. Je crois que ça allait exploser. Vas-y, viens, vas-y, viens, vas-y, viens, tu me connais? Vas-y, viens, viens, viens. Tiens, mange cette arbre. Merde. Ok, ok, tout va bien, je suis un professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Vas-y, prends les munitions, l'autre il va se réveiller, c'est pas grave. On va lui mettre des coups de couteau. Voilà. Ça fera déjà ça en moins à lui mettre. Oh, des ciseaux de jardin, nice. Merde, c'est un cul-de-sac. On l'appelle le sniper. Ok, des bisous. Fuck. Qu'est-ce que tu fous là, gentil?
Non, non, lui, il va me choper. Il va me choper, lui. Je le sens pas. Attendez, je peux lui mettre un 3-6 ici. Ça passe, là. Oh, let's go, let's go. Le joueur français, mesdames et messieurs, qui donne tout, des gauche-droite. Regardez, ça part à gauche, non, ça part à droite, non, ça part à gauche. Ouah, la double feinte du joueur français, mesdames et messieurs, c'est incroyable. On n'a pas vu ça depuis Tony Parker. La France est champion du monde. Pardon. El Matador. Aïe, on est au début du jeu. Oh là là, le level design est trop bien en plus. Alors, et on retourne ici. Eh, le level design, il est vraiment stylé, chat. Il est vraiment stylé. On va se mettre, on va combiner ça avec ça. Et on va se soigner. Nice, on est quasiment full life. On va recharger. Encore un changement de vêtements, allez, let's go. Tenue normale numéro 1. Pourquoi le Wizard l'a trouvé sous FIFA? Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, on a chopé, mesdames et messieurs, la cisaille. Il faut qu'on aille du coup couper la haie. Des bisous à Brigitte. La haie qui est où déjà? Attendez, la haie, elle est où? Elle est à l'extérieur? Attendez. Je crois qu'elle est là, elle est juste là. Ouais. Tu sais si... Alors, je crois que le jeu est PS4, Switch et Xbox. Je crois. Là, elle est là, elle est là. Eh, le level design est tellement bien fait, c'est un truc de ouf. Oh merde, il y avait un zombie jardinier. Alors lui, il m'a pas vu. Hein. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Hein. Ah, j'ai pas le temps là. Take down, baby. You can't see me. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous pouvez... Le médaillon de l'ange. Ok. Le médaillon de l'ange. Ça fait combien de temps qu'on est sur le jeu, à votre avis, chat? Attendez, le médaillon de l'ange. Examinons. Un médaillon estampillé d'un symbole d'ange à 4 points. Je l'ai couché instant, il a rien compris le pauvre. Attendez, est-ce qu'il faut pas le mettre au niveau de la fontaine? Il va venir se greffer à ma collègue de jeu Resident Evil. Mais il n'y a pas de souci, Locke. Tu vois, un jeu de cette qualité, je ne comprends pas qu'il soit pas connu. Ça fait 2 heures à peu près. Merci beaucoup Buchinet pour ton refollow, t'avais déjà follow. Je comprends pas que ce genre de jeu soit pas connu. Alors que je trouve qu'il est excellent. Et surtout, tu peux choisir la visée, quoi. Un jour, je pense que l'année prochaine, on se le refera en mode caméra fixe pour voir. Ça fait 1h30, 1h20 à peu près. Okay. On peut placer quelque chose ici. Est-ce que c'est ça? Pas ça. Alors attendez. À mon avis, on a fait tout ce que je devais faire à l'extérieur. Les gens aiment pas sortir, partir dans l'inconnu. Mais je trouve ça dommage, moi. Attendez. Où c'est que je peux le mettre, le médaillon de l'ange? Vous avez une idée, chat? Ne spoilez pas, hein. Je parle de ceux qui regardent le let's play, qui connaissent pas le jeu. Vous avez le droit de... On a le droit de discuter et de réfléchir ensemble. Est-ce que... Ah, attendez, faut pas le mettre là? Oh! Ok, faut trouver le deuxième. Peut-être le marketing, surtout que Resident Evil ont sorti tous leurs jeux en remaster en même temps. Ouais, peut-être, ouais. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Il faut qu'on trouve un deuxième médaillon. Dans mon cul? Tu veux de la pommade? Ça tombe bien, j'en ai. Attendez, je réfléchis. Parfois, les petits développeurs ont du mal à se faire de la pub. Bah ouais, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que ce jeu est vraiment cool. Dans ton cou, c'est un médaillon. Ah, c'est pas faux. Tu peux changer. Ouais, tu peux. Locke, tu peux jouer à ce jeu en mode caméra à épaule comme ça. Tu peux jouer en mode écran fixe comme à l'ancienne. Et tu peux jouer en FPS aussi. Par contre, tu peux pas changer pendant la partie. T'es obligé. Tiens, regarde, tu peux juste changer le FPS là. Activer, désactiver FPS. Tu vois. Mais la vue FPS dans ce genre de jeu, j'ai pas trop envie, tu vois.
Mais sinon, le caméra fixe ou le caméra troisième personne, tu choisis au début du jeu. Soit dans le manoir, soit dans le jardin. Bah ouais. Attendez, le jardin, j'ai tout visité. Le jardin, j'ai fait le tour, je suis passé là. Là, j'ai la porte qui est fermée. La porte qui est fermée à l'autre bout. Et j'ai pas débloqué de clé. Ou alors, il y a une clé lune que j'ai... Maintenant, la clé lune, je l'ai jetée. Ça veut dire quoi, là, en bas? Tout en bas, vous voyez où passer tout petit? Je peux pas zoomer. Il y a une porte qui est moitié rouge. Ah, moitié verte. Ça veut dire que je peux l'ouvrir que d'un côté. Ok. Attendez, où c'est? Il faut que j'aille. Là, c'est la cuisine. C'est du génie. J'aurais tellement voulu revoir ça sur remake de... Ah ouais, carrément. Donc voilà. N'hésitez pas, Vemenos, faites-vous plaisir, il est à 35 euros. Vous pouvez le trouver à 9 euros, je crois, que sur goclescd.fr. Je suis pas du tout partenaire, mais si je peux vous faire gagner de la thune, tant qu'à faire. Alors attendez, chat, est-ce qu'on a des gens qui ont des idées dans le chat? Ouais, Capcom, ouais, bah ouais. Alors, soit dans le manoir, soit dans le jardin. Ça, c'est clair. Le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir visité toutes les portes où je pouvais. Dans mon inventaire, j'ai rien. Si, on a eu une roue dentée dans l'horloge. Est-ce qu'on a un endroit où on pourrait poser la roue dentée? Là, dans cette pièce-là. Là. Je crois que ça, c'est la pièce de sauvegarde. Kyojin. Est-ce que Kyojin, juste... réponds-moi doucement. Ah oui, on a ça. Là. Est-ce que c'est dans le jardin plus ou est-ce que c'est plus dans le manoir? Regardez, on a le briquet, on a une pierre là, et on a la roue dentée qui est ici. Attendez, je réfléchis. La roue dentée, j'ai pas souvenir de pouvoir la mettre quelque part, la pierre non plus. Je pense que le mieux c'est de visiter. Le mieux c'est de visiter en vrai. Kyojin, je viens de trouver le symbole de l'ange que j'ai placé sur la porte, ici. Et je suis un peu paumé. Je sais pas trop ce que je dois faire. Je sais pas trop ce que je dois faire, pour être honnête. Je sais pas s'il faut que je retourne dans le jardin. Idée, théorie, ouais. J'ai pas tout fouillé. Mais tu veux dire dans le manoir ou dans le jardin? Si tu me réponds les deux, je rachète. Perso, je passerai tellement de temps dans les pièces de sauvegarde avec les musiques. Ah, t'as une idée, Slavinu? Vas-y. Propose-moi ton idée. Hein. Attends, est-ce que j'ai loupé un truc ici? Je crois pas. Hein. Regardez toutes les portes. La bibliothèque. La roue dans l'horloge pour qu'elle fonctionne. Mais non, la roue, je viens de l'horloge. Ah! Putain, t'es un bon, toi. Oh oui, t'es un bon, Slavine, j'y avais pas pensé. Là, on a une horloge qui marche pas. Et moi, j'ai une roue. Et ben voilà. Ah, c'est une bonne idée, ça. Et puis, ça fait plaisir à Tutis. Let's go. Oh, c'est la Vénus, je te kiffe. Clé d'or. Oh oui, oui, oui. Ah, attendez, la clé d'or. La clé d'or, il y a deux endroits. Il y a un endroit dans la bibliothèque où je vais retourner là dès le début. Enfin, dès maintenant. Et il y a un autre endroit où on a trouvé une petite cage en or aussi. Merci, Slavinu. La bibliothèque, elle était où déjà? Bien joué. J'avais pas du tout pensé, c'était obvious, mais j'avais pas pensé du tout. Ça, c'est verrouillé. Ça, c'est la salle de bain. Ça. C'est ça, la bibliothèque. Ouais, la petite moonlight. Ouais, ok. Et donc là... Là, il y a un petit truc qu'on peut ouvrir. Ici, là.
Et on a un masque. Oh, le masque de loup. Et on a toujours la clé. Ok, le masque de loup, à mon avis, il faut le mettre sur la fontaine. Et cette musique, elle est folle aussi. Il est vraiment incroyable, ce jeu. Ok, le masque de loup, faut le mettre sur la fontaine. Est-ce que vous vous souvenez où était la deuxième... Le deuxième endroit où il fallait la clé en or? J'ai un doute. C'était pas la cuisine. Mais c'était par là, quoi. Je travaille sur les ombres, les lumières. Ah ouais, non mais carrément. Alors, attendez, là je vais où? Si je vais là, je vais dehors. Non, là je vais pas dehors, là je suis bloqué. C'est ici pour aller dehors. Ok, à mon avis ça faut le mettre sur la fontaine. Le truc du loup. Merde, comment je vais à l'extérieur? Putain, c'est, je me paume, c'est un truc de ouf. Ok, faut que j'aille à droite. Ici. Merde. T'as cru à un effet? Ah ouais, j'y ai pas pensé. J'ai pas fait gaffe, pardon. Là. Le loup, faut le mettre là, je crois. Pas du tout. Merde. Vous avez vu comme elle bouge la tête quand le zombie approche? Regarde. Regarde. Je trouve ça trop stylé, moi. Bon, c'est pas ici. Elle est où la deuxième? Elle est où la deuxième... Le deuxième endroit qui est verrouillé avec une petite clé en or? On l'a vu tout à l'heure, mais je... Je me rappelle plus où c'est. Ok, là c'est la clé soleil. Là c'est la salle de sauvegarde. Là c'est fermé aussi, c'est la clé soleil. Putain, je m'en souviens plus de chaque. Je me souviens des premières Resident Evil. Il n'y avait pas de carte disponible sur le jeu. Ah ouais, non mais... Attendez. J'essaie de me rappeler, mais... C'est pas ici, c'est pas ici. Il me semble que c'était pas loin d'ici. Mais je saurais pas dire où, tu vois. Ça me rend ouf, ça. Je me souviens. À l'étage, il y avait rien à l'étage, si. On va aller voir à l'étage. Oh, t'as vu, il s'est caché, il a eu peur. Il s'est caché. Là, c'est verrouillé. Celle-là, elle est verrouillée de l'autre côté. Ah, c'est là. C'est là. Merci à tous. À quoi ça me sert, ça? Un livre rouge. On a un livre rouge. Non, je veux pas le condamner. Bon, je vais l'examiner. Un livre rouge en cuir. Dans la bibliothèque, on va le mettre et ça va... Ça va... Ah putain, ça va débloquer le passage secret à tous les coups. J'en suis sûr. Ah merde. Ça va débloquer le passage secret dans la bibliothèque. La tête qui s'oriente vers le zombie, ça le fait aussi dans Resident Evil 2, c'est vrai? Regardez. T'as vu sa tête qui tourne? Je trouve ça trop stylé. Ça passe pas là. Là, ça passe pas. Ah ouais, non, mais c'est clair de lune. Clair de lune, c'est Chopin, je crois. Alors, attendez. Attendez, il faut que j'aille. La bibliothèque, c'est au début. Okay. Alors, j'espère que c'est ça, parce que sinon, j'en ai aucune idée. Clair de lune, non, c'est Beethoven. Oh, j'ai dit quoi? J'ai dit Chopin? Bon, ça va. Ils sont aussi tarés l'un que l'autre. À l'étage. C'est pour ça, je me souviens, j'avais fait un blind test de musique classique.
J'avais fait un blind test où le titre du blind test c'était « Oh putain, je connais la musique !» J'adore ce genre de blind test. Où en fait, t'as tout le monde dans le chat « Ah putain, je connais !» Mais t'as personne qui connaît le nom, tu vois. Ce genre de blind test. Comme la musique... La musique... celle-là, il y a tout le monde qui la connaît, il n'y a personne qui connaît le titre. Je suis sûr que vous avez reconnu dans le chat en plus. Alors attendez. Est-ce que c'est pas un truc comme ça? Eh ben oui, tu connais Razor, mais je le sais que tu connais. Elle est trop bien en plus. Là, il y a un courant d'air, regardez. Comme si un conduit ou un espace vide se trouvait derrière. Et à mon avis, il faut placer ce bouquin, non? Non? Ah merde, c'est pas ça? Alors s'il sert pas à ça, le livre rouge, je vois pas à quoi il sert. Blind test musique, je suis éclaté tellement je retiens jamais le nom des compositeurs. Voilà, c'est exactement ça, Slavine. Alors, pour info, le titre et la musique, c'est... le titre, c'est Liquido. Non. Le groupe, c'est Liquido et le titre, c'est Narcotique. Ou l'inverse. Liquido, Narcotique. Voilà. J'ai mis 3 ans à trouver cette musique. Mais je l'ai enfin trouvée. Est-ce que c'est pas ici qu'il faut placer le bouquin? Non. Non. Ah, merde, le livre, à quoi il peut nous servir, chat? Je regarde. Là, y'a rien. Et si c'est pas ça, j'en ai aucune idée. Et après, tu t'en souviens. Je peux te dire que tu t'en souviens. Je vais aller voir l'étage vite fait. Mais je crois pas qu'on puisse placer un bouquin sur une étagère à l'étage. Chaque fois qu'on mentionne Willow, je pense à Matt Mortigan, la fameuse scène. All Star pour le coup. Mais y'a pas de soucis. Ah, attendez là. On peut placer quelque chose ici. Là, il y a une brebis. Il y a une brebis. Alors, j'imagine que c'est pas le bouquin. On va quand même essayer de placer le bouquin dans le doute. Et du coup, de l'autre côté, il y a peut-être le loup. Comment tu vas, Supra? Tu vas bien? Moi, ça va bien. On discute pendant que je joue à ce jeu magnifique. Là! La tête de loup, c'est ici. Ok. Le problème, c'est qu'il faut trouver une tête de brebis maintenant. J'ai déjà du mal à me rappeler de visage des gens alors d'un blind test. Je me réveille pour aller bosser. Eh ben, écoute, bon courage pour le taf. Attendez, là, je suis bloqué par contre. Va avoir un indice? Le livre, à quoi il pourrait servir le livre? Théorie, vas-y Slavino, donne-moi ta théorie. Moi je me sens bien parce que je kiffe le jeu. Voilà. Donc je me sens super bien. Ça c'est la salle de sauvegarde, j'avais laissé quoi dans ma salle de sauvegarde par terre? Ah oui, trousse de soins. Ok. J'ai une boule de cristal. Bibliothèque avec le double fond, prend le couteau ou un objet similaire. Ah, c'est une bonne idée ça. Il y a des gens, les blind tests, ils jouent trop leur vie. Ah non, mais moi, blind test, il faut pas jouer contre moi. Vous jouez contre moi au blind test, moi je joue pour gagner. Hein. Moi je suis un tueur. Alors attendez. Tu penses qu'il faut servir du couteau sur la... Non mais attendez. Non, à mon avis, il y a un levier, non? Attends, on va voir. T'as peut-être raison, le double fond là c'est bizarre. Il y a un léger courant d'air qui vient de derrière cette vieille étagère, comme si un conduit ou un espace vide se trouvait derrière. À mon avis c'est pas ça. Hein. Non, je peux pas. À mon avis il y a un truc à faire pour déplacer l'étagère. Personne n'a une idée dans le chat où c'est que je pourrais me servir du bouquin? La statue? Attendez, la statue? Il semblerait que quelqu'un était sur le point de le déplacer quelque part. Et je peux pas prendre le tableau.
Attendez, peut-être la statue du coup. Elle a un livre rouge dans la main. Je sais pas si ça nous aide. Il faut que je me rappelle où est la statue par contre. Alors attendez. Là je monte à l'étage. Il me semble que la statue elle est à l'étage. Ah ouais, non mais je connais. Non mais c'est ça, les blind tests comme ça, c'est les meilleurs. Attendez, il m'a dit... Quand on est retourné à la statue, c'est le moment où Kyojin m'a dit « Utilise la carte ». Ah bah c'est là. Bah voilà. Ah non mais c'est ça, Locke, il y a des rêves de partout. Ce jeu, c'est vraiment une tuerie, hein. J'adore. Putain, une lampe torche, quoi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en chanson que tout le monde connaît, que personne trouve? Là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec le bouquin là? Let's go! Pardon. Voulez-vous prendre le livre bleu? Ah merde, mais moi je voulais pas troquer un bouquin contre un bouquin. Dessin de symboles anciens. Oula. Oula. Attendez, j'ai un livre bleu. Avec la lampe torche, tu dois pas trop voir. Ouais. Ah mais je trouve que les ombres et tout... Regardez les ombres avec la lampe torche, je trouve qu'elles sont trop bien. Enfin, je les kiffe, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est trop bien fait. Alors attendez, le livre bleu, est-ce que je peux l'examiner? Un livre bleu en cuir d'aspect ancien. À quoi ça pourrait me servir? La bibliothèque pour le coup. Et c'est celui-là que je dois placer dans la bibliothèque. C'est gentil, Tartiflette. Comment tu vas, Lilou? Tu vas bien? Ah ouais, j'adore. Ah mais ce genre de jeu, mesdames et messieurs, je pourrais les faire d'une traite. Vraiment, j'adore ce genre de jeu, quoi. Alors, la bibliothèque, c'est la double porte qui a pas loin, là. Est-ce que c'est pas ici, la bibliothèque? On commence à s'y repérer. C'est ça que j'adore dans Resident Evil, c'est qu'au début, t'es perdu, et petit à petit, tu commences à te repérer, c'est trop bien. Est-ce qu'il faut pas le mettre là, le bouquin? Et là, on a le truc d'agneau. Oh là là, El Matador. Mais arrêtez cet homme. Mais arrêtez cet homme, il va finir le jeu en... En une heure et demie. Merci beaucoup Nessae pour ton follow. Bon, tu vois. Alors la brebis c'était ici. Et du coup, combien tu paries que ça va décaler la... Ça va décaler la bibliothèque qui nous empêche de passer là? C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais si. Attends. Ah non, c'est un lion! C'est un lion! Donc en fait, c'est pas sur la bibliothèque, c'est sur la fontaine qu'il faut le mettre. C'est pas une brebis, c'est un lion. Ah, brebis, lion, c'est la même chose. Attendez, du coup, faut retourner à la fontaine. Alors attends, la fontaine, c'était où déjà? La fontaine, c'était où? Là. Il faut que je sorte ici. Et là j'ai la fontaine. Ok. Ah, le raccourci qu'on a développé qu'on a déverrouillé en passant à travers la chambre où on était au début. Ok. Ça me fait penser que j'ai hâte. Je vais à la Gamescom fin août. Cosplayer Léon, c'est vrai? Oh nice. Bah la touche pour la carte, je la trouve pas. Je la trouve pas. Je la trouve. Oh, c'est L1, c'est R1, pardon. C'est R1 mais sans visée en fait. Ok. Merci à tous. Ouais, un objet dans la même pièce, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors. Là. Alors lui, on va l'attirer. Elle le regarde, tranquille. Bonjour monsieur, vous allez bien? Mais monsieur, votre t-shirt est dégueulasse. Mais monsieur. Ah
Ah merde, je peux pas l'enlever avec le couteau. Alors, est-ce que je peux mettre la tête de lion ici? Oh, let's go. Je viens d'entendre quelque chose bouger. Oh, et c'est celle-là que je mets dans la bibliothèque. Et on a lui qui se réveille. Bah, des bisous. Attendez, faut que j'aille où? Ici. Non, attendez. Elle, hein. À l'opposé, là-bas. Hop, hop. Ok, let's go. Oh, j'adore parce que c'est pas trop compliqué, mais pas trop dur. Et c'est la même chose. Et pas trop simple, c'est ça que je voulais dire. Et du coup. Ici. J'aime beaucoup. Et la bibliothèque était à l'étage. L'étage. Attends, j'y ai accès à la bibliothèque de l'étage? Je sais plus. On va y aller par le bas. Quand tu vas à l'Ipoun, tu vas bien? Voilà. Bon, si là par contre c'est pas le bon truc, je comprends pas, tu vois. Ouais, Tutis, hésite pas, Tutis, hein. Fais-toi plaisir. Va te coucher, hein, si t'es fatigué. Hein. Les modos méritent quelque chose, chat. Les modos méritent. Je pense que je vais leur faire gagner un giveaway, une connerie. Parce qu'en vrai, ils font un taf de ouf, là. Oh putain, c'était ça. Let's go. Il est comme moi, il est en mode automatique, Tutis là. Let's go. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une salle de sauvegarde. On dirait que ça date de plusieurs centaines d'années. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, le médaillon du mal! Let's go. Journal de Arnold Howard. Bien que le groupe prétend exister depuis plusieurs siècles, je n'ai encore trouvé aucune preuve définitive de cela. Jusqu'à présent, le temps que j'ai passé au sein de la résidence de la commune a été inconfortable, car il me cache beaucoup de choses, malgré mon instance, pour que mon rôle soit celui d'un observateur passif. Bien qu'il ne l'ait pas dit ouvertement, je crois que leur but ultime est de sacrifier ce maître. Ce nom est mentionné plusieurs fois au cours des conversations que j'ai eues avec eux. Je crois que le maître fait référence à leur dieu, bien qu'il parle de lui comme s'il vivait parmi eux. Cela fait maintenant 2 semaines que j'ai fait des recherches sur eux, et je ne sais toujours pas quel est leur but ultime. Tout ce que je sais, c'est qu'ils attendent que quelqu'un vienne à eux, quelqu'un de grande importance, qui, je pense, censé initier une sorte de grand événement. Peut-être la nature, de nature apocalyptique. Okay. Balzéfo, on reconnaît toujours un jeu qui veut bien nous mettre dans l'ambiance par sa... Ah oui, par son son, carrément. Mais ce qui est bien, c'est que je le trouve accessible, en vrai. Et puis si jamais vous voulez juste l'histoire, vous avez un mode facile. Le level design est stylé. Non, franchement, j'ai pas trop l'impression de faire des allers-retours dans le vent. Ah, léger, tu vois, on se balade à droite à gauche. J'avoue qu'il est peut-être compliqué pour quelqu'un qui a pas trop le sens de l'orientation. Parce que moi qui ai un bon sens quand même de l'orientation, je trouve que... Je galère un peu au début quand même. Et puis merde, regardez ça, quoi. Il y a des vrais reflets, mesdames et messieurs. Il y a des vrais reflets. Même dans Phasmo, qui est le meilleur jeu du monde, vous n'avez pas de vrais reflets. Alors, attends. Il faut que j'aille là-bas. Attendez. C'est là-bas, je crois. Ouais, il y a du lore et tout, hein. Je crois que c'est là-bas. Ici. Mais non, mais c'est des vrais reflets en plus. C'est pas un reflet à la con. C'est ça qui est fou. D'habitude, c'est un reflet à la con que tu vois à moitié flou. Là, tu vois bien. Des bisous, Earthlore. Merci beaucoup, Earthlore, pour le soutien. Ça fait grand plaisir. Merci à tous. Et vous savez, si ça tenait qu'à moi, je ferais des giveaways à tous les gens qui passent. Hein. En VR, je crois, je vois ma radio. Ah ouais? Ici. Alors là, on a débloqué la grande porte. Est-ce qu'on sauvegarderait pas un coup? Attendez, est-ce que j'ai... Ah non, je crois pas avoir de vinyle en plus.
Ouais, en fait, je pense que c'est les. C'est pas la programmation dans les relais, dans les. En fait, c'est niveau performance. C'est pour ça qu'ils enlèvent. C'est pour ça qu'ils enlèvent des bougies, des lumières dans Fastmo, les reflets. C'est à cause des performances. Ils veulent que le jeu soit accessible au plus de monde possible. Eh ouais, mais je peux pas sauvegarder. J'ai pas de disque. J'ai pas un disque qui traîne là. Oh, cette musique. Mais non, j'ai pas de vinyle. J'ai pas de vinyle qui traîne, je peux pas sauvegarder. Putain, par contre, ils sont radins avec les sauvegardes. Tournée générale de giveaway. Non, mais c'est vrai. Hein. J'aimerais bien, moi. Merde. Il manque quelque chose, quoi? Mais non. Mais non, il manque un truc. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Je suis traitement médicamenteux assez puissant. Ah ouais, bon courage. Attendez, chat, il manque un truc. Quoi? Oh, j'étais tellement persuadé que la porte allait s'ouvrir. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, chat? Vous avez une idée ou pas? J'ai visité l'extérieur, là c'est tout fermé. Oh Ludovic, tu vas bien. Si vous voulez, je peux désactiver le timer. Hein. Je peux désactiver d'ajouter du temps au timer si vous voulez. Ouais, le jeu est bien. Vas-y, Slavinu, t'as une théorie. Une clé? Bah le truc c'est que j'ai visité toutes les salles. Baka. Alors je te traite pas de con, hein, c'est ton pseudo. J'ai pas trouvé de clé. J'ai pas d'idée là. La statue avec le dialogue de la présence du mal. Oula, je me souviens plus. Mister Cookie, vas-y, balance-moi ton idée, Mister. Un reflet de lumière sur la porte, un truc comme ça. Ça me dit rien. T'inquiète, c'est fait exprès le pseudo, c'est vrai? J'ai trop abusé, Narco, tenir le coup comme une banque. Je reste en lurk, je vais sûrement m'endormir. Pas de soucis, passez une bonne nuit, hein, Balzéfort. Balzéfort, pardon. Elle se trouve en face de la porte. Ça me dit rien. Au palier des escaliers. Au palier des escaliers. Alors attends, je vais voir les escaliers, c'est pas ici. L'intérieur de la pièce sur la porte est vide. L'intérieur de la pièce sur la porte est vide. Hein? Attendez, je suis content, le stream a pas planté. L'intérieur de la pièce. Attends, quoi? Merci à tous. Ah là? Je n'ai jamais douté. Et si, je l'ai mis à l'intérieur, le mal et le bien. Merci beaucoup Ludovic, 10e mois putain déjà. En face de la porte, il y avait une statue. Ah là, oui, bien vu. Je sens que quelque chose de sombre et maléfique en émane. Ah merde. Ah oui, t'as raison, il y a peut-être un truc à faire avec cette statue. T'as raison, non, je l'ai vu, t'as raison. Moi, attendez, Dark Room, c'est quoi déjà Dark Room? Là, on a le lustre à faire tomber, mais j'arrive pas à le faire tomber avec le couteau. J'ai rien pour le faire tomber, j'ai essayé de tirer dessus, ça a rien changé. Un truc qui me tue en ce moment, c'est les connus heureux, c'est ah oui, les randomizers, ouais. J'ai voulu tester un jour les randomizers, puis je me suis jamais lancé. Ça doit être drôle, non? Bah tu vois, je peux pas faire tomber le truc. Et ça me marque. On dirait que cette chaîne retient le lustre, tu vois. Et quand je tire dessus, il se passe rien. Je suis un peu bloqué, là. Baka, j'ai pas trop compris ce que tu voulais que je fasse. Putain, vivement qu'on trouve la clé du soleil. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, et ce bruit d'horloge qui me rend fou. Attendez, je réfléchis. Je vois pas. Honnêtement, je vois pas. Verrouillé de l'autre côté.
Est-ce que t'as un petit indice à nous donner, Kyojin? Ouais, je le mettrai sur YouTube, bien sûr. Il y a un truc avec la statue, t'as raison. Je pense que t'as raison, il y a un truc avec la statue en bas. Est-ce qu'il faut que je l'allume avec le briquet ou un truc comme ça? Heureusement que la salle est grande quand même. Ah putain oui. Alors c'est oui, c'est pas un indice mais ah oui. Ah bah j'aurais jamais pensé. Merci Okyojin. Merci beaucoup. Ah ouais, j'avais complètement oublié la pierre orange. Merci beaucoup. Des bisous Nini. Merci beaucoup d'être passé Nini, tu régales. Des gros bisous. Ah merde, ils sont deux. Ouais, je peux. Attendez, je peux esquiver les deux. Oh let's go. Putain vous êtes trop fort. Alors le fait de trouver la statue j'aurais trouvé je pense. Mais le fait d'y mettre la pierre, je pense que j'aurais pas trouvé. Enfin j'aurais galéré quoi. Ouais t'aurais dû dire objet statue. J'avoue que pierre orange c'était un peu obvious comme indice mais c'est pas grave. Là il va me choper. Ah c'est stylé quand même. Avec la lumière rouge et tout. Alors ce qui est dommage c'est que je peux pas sauvegarder. Mais moi, tu vois, je trouve pas que ça soit... On réfléchit ensemble, moi je trouve ça bien de réfléchir ensemble, tu vois. Succès déverrouillé en sécurité pour l'instant. Ok. Oh, attendez, chapitre 2, là. C'est un nouveau chapitre. Eh ben, nickel. On va dire au revoir à YouTube. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait que quelque chose peut être placé ici, il y a un creux rond. Ah. Est-ce que toi t'es vivant? On va pas te réveiller tout de suite. Reazen, comment tu vas? Est-ce qu'on dit au revoir à YouTube? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ajuster la statue. Ah, attendez, elle tient quoi dans la main? Elle a un miroir. Ouh, va falloir jouer avec la. Ok, avec la lumière, je pense. Ouh, ça a l'air pas mal le level design et le décor là. Ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? J'aime beaucoup le. Pour l'instant, ça annonce la couleur. Ouais. Attendez, il y a quelque chose là. Un journal. Le 21 novembre 1978. Je suis sûr d'avoir entendu cette nouvelle avant, quand j'étais piégé dans cet endroit. Ah bon? Ouh, et un petit. Des petits bandages. Bandage. Ouais, franchement, c'est agréable. Oh! Oh, il s'est tapé un coup de speed, lui! Tu vas rester tranquille, Ribéry, là. Bon, YouTube, je te garde encore un peu. Oh putain, on est dans un labyrinthe? Un cimetière. Tu l'es. Non. Attendez, il y a quoi ici? Le portail est verrouillé et une forme de saphir bleu sur la porte au-dessus de la serrure. Attention, chien méchant. Ok. On dirait que cette zone est bien protégée. Oh, j'aime beaucoup le changement d'ambiance là. Avec le petit brouillard et tout. J'aime bien. On a un bandage ici. Je vais pas le prendre. Qu'est-ce qu'on a là? Munition, je vais prendre. Note sur les disparitions étranges. Aujourd'hui, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais avec un petit groupe d'autres d'initiés qui aidaient à nettoyer les catacombes après le rituel d'hier. Le maître nous a ordonné de chercher une tablette spéciale qu'il avait perdue dans le chaos du rituel d'hier. On pensait que ce satané professeur l'avait prise pendant que tout le monde ne regardait pas. Mais j'avais trouvé la tablette posée sur le côté d'un des couloirs. Quand je m'en suis rapproché, elle a tout simplement disparu. Quand j'en ai parlé au maître un peu plus tard, il a ri. Ha ! Sac à merde. En agitant la tablette devant moi, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, c'était un professionnel. Quand je lui ai demandé comment il l'avait retrouvée, en mentionnant la disparition inexplicable de l'objet, il a simplement répondu « El Matador ». Dans ma tête, j'ai entendu un petit morceau et j'ai continué. « La boîte de Bluetooth. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » C'est ce que j'ai pensé, car il n'aime pas discuter de la magie profonde avec nous, les nouvelles rues. Ok. La Bluetooth, c'est rigolo comme nom, Bluetooth.
prenez la taille de la map. Holy shit, la taille de la map. C'est, j'avoue que j'ai pas mal de munitions, c'est vrai. Je pourrais commencer à tirer dans le tas. Mais je me dis, on va bien se taper un boss dans pas longtemps, non? Et ce que j'aime bien, c'est que les zombies sont différents, tu vois. Ils sont pas tous identiques. Généralement, dans les jeux indés, t'as deux zombies différents, mais regarde, t'en as aucun qui se ressemble. Je trouve ça cool. Celui qu'on a le plus vu, je dirais que c'est lui avec la barbe. Mais je trouve ça cool. Ok, ok, ok. Donc là, on a une porte bleue, on a un bandage ici. Mais attendez, du coup, je dois aller où? Attendez, du coup. Ah oui, et là, on a le labyrinthe. Okay. Ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a quoi découvrir, hein. Oh putain. Donc là, c'est d'où je viens. Oh là là là. Oh là là. Ah ouais, non, mais regardez la taille du machin. Oh! Holy shit! Ok, là, c'est violet. Ok. On visite. On visite, on se balade. On a le temps. J'aime bien leur façon de marcher. En fait, t'as l'impression qu'ils arrivent pas trop à tenir debout. J'aime bien. Pour ne pas dire beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Des munitions, vas-y, donne. Oh, fuck! El Matador. El Matador. Toi, je te bute pour le plaisir. Regardez là, avec l'effet de lumière et tout, je trouve ça trop cool avec le brouillard. Ah, j'adore. Ok, on a la fontaine. Ici. On a une clé. Ok, est-ce que je peux casser ça? Non. Okay. Donc là, c'est vert. Ok, il y a un truc à faire avec les statues. Là-haut, on avait deux statues avec des miroirs. Là c'est fermé, saphir vert. Ils ont pas l'air si lents en plus, ils arrivent. Ouais ouais, ils arrivent progressivement et des fois ils tapent des coups de sprint d'un coup. Regarde, regarde, regarde. T'as vu? Ouais, j'aime beaucoup. Tu vois qu'il y a un petit effort de fait, tu vois. Et là c'est rouge. Oh merde, il m'a touché. Il tourne vite le bougre. Et tu danses, danses, danses. Et on a un truc qui clignote là-bas. Oh, un vinyle. Let's go. Des cartouches. Cette caisse a l'air tout... Cette boîte n'a pas l'air trop lourde. Eh ben, déplace-la. Let's go, baby. Qu'est-ce qu'on a ici? Et là, c'est fermé. Le portail est bloqué de l'autre côté. Je pourrais trouver un moyen de passer à partir de là. Bah voilà, il faut la caisse. Putain! Oh, il s'est TP! Il était rapide. Hein. Attendez, je peux pas la porter? Vous pensez que le zombie a disparu là pendant l'animation? Des bisous, Nechang. T'as vu que le zombie qui rampait avait tatouage? Ah non, j'ai pas fait gaffe, je vais regarder. Bon, le zombie a disparu. C'est pas moi qui pousse, hein, c'est une cinématique. Le zombie a disparu. Ah oui, il a un tatouage, t'as raison. Sur le stylet. Les cadavres. Non mais les cadavres qui restent aussi, mesdames et messieurs. Ça se fait plus dans les jeux, ça, hein, les cadavres qui restent au sol. C'est surfait. Hein. La magie des cinématiques. Là, je vais manger un petit peu de gâteau. Vous aimez le gâteau? Les Japonais, ils ont une sorte de gâteau au yaourt et au beurre, là. J'adore. C'est une sorte de 4 quarts. Oh, le 4 quarts, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais. C'est comme du 4 quarts. Ah, mais attendez, si je grimpe de l'autre côté, je suis bloqué.
Ah ouais, je suis bloqué, merde. Alors ça tombe bien, on peut pas dire au revoir à YouTube. Oh, oh attendez, c'est pas un zombie ça, hein. Oh, c'est pas un zombie ça, hein. La fontaine ne fonctionne pas. Note clé cachée. Ah, Oscar. Est-ce qu'on a un Oscar dans le chat? C'est pour lui. On a un Oscar, s'il vous plaît? Je peux pas lire le message, c'est pour Oscar. J'ai à la fois faim et pas envie de manger, c'est vrai. Oh, un petit marbré. Ça sent le boss un peu, j'aimerais bien sauvegarder. Prochaine sauvegarde, on dit au revoir à YouTube. On n'a pas un Oscar? Des connaissances m'ont dit que les pâtisseries là-bas avaient tous un souci. Le manque de sucre. En fait, on va dire que les Japonais, ils sont forts en pas mal de choses, mais la pâtisserie, c'est pas leur point fort. Le gâteau au yaourt, c'est sous-côté. Clairement, le meilleur gâteau du monde. Le cheesecake. Je suis d'accord, le tiramisu, tu vois. Mais le cheesecake. Le car-car. Non, mais attendez, le 4-car, quand tu rentres de l'école, quand t'étais gamin, là. Vous le trempez dans le lait ou pas? Ah, le 4-car dans le lait, là. Oh, tu le mets dans le lait. Oh, tu le chopes avec ta cuillère dans la tasse dans le lait, là. Juste avant qu'il soit trop mou, en fait. Ah ouais, non, mais le cheesecake, c'est God tier. Oh putain, bon. J'ai caché une clé qui déverrouille certaines portes extérieures de la résidence. Nous avons eu des problèmes avec certains des nouveaux initiés qui se promènent en mettant leur nez dans des endroits qui ne leur appartiennent pas, ce qui met en colère le maître. Ouais, ouais, avec du lait. Ah, merci. Vous savez comment il est à propos de la sécurité. Vous avez besoin d'accéder à ces zones pour accomplir vos tâches. Vous trouvez la clé dans l'un des pots de fleurs d'angle les plus proches du lampadaire qui se trouve près de l'entrée du manoir. Ok. Un pot de fleurs à côté du lampadaire près de l'entrée du manoir. Poc. Ok, ça c'est pas un ennemi normal. Holy shit. C'est un boss. Il y a un moment, faut arrêter de courir. Hein. Cours, salope. Pardon. Oh putain. C'est... Ah ouais, donc j'ai pas le temps. Ok, j'ai pas le temps. Il y a une petite musique en plus. Attendez, comment je vais faire? Il faut que j'arrive à le faire taper. Il faut que j'arrive à le faire taper mais sans qu'il me touche. Là. Ok. El Matador, baby. Oh merde! Ah bah il m'a touché. Oh je l'ai eu? Non. Fuck! Oh merde, faut vite que je me soigne. Alors on va tricher, on va soigner dans le menu. Thierry, pourquoi t'as coupé le son? Remets le son. Elle est trop bien la musique. La musique elle est trop bien. Mesdames et messieurs, on se croirait sur God of War. C'est un truc de ouf hein, la qualité de la musique. Mais je pense que non, 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 on peut pas mourir, j'ai pas sauvegardé. Oh, je l'ai eu! Oh, il était méga chaud. On aurait dit un mix, on aurait dit limite une musique de God of War tellement elle était épique. Est-ce qu'il y a des boss? Ok, donc c'était un boss. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, GG. Eh, c'était vachement bien. La porte est verrouillée, saphir jaune. Ok. C'était vachement bien. Par contre, j'ai plus de vie, quoi. Par contre, j'ai masse de balles. Fermé de l'autre côté. Merde, je suis bloqué. Attendez, je suis bloqué. Ah non. C'était pas mal. Le boss fight était un peu dur, mais c'était pas mal.
Alors, l'entrée du manoir, le pot de fleurs. Regardez, le corps est encore ici. Incroyable. L'entrée du manoir, elle est où? Elle doit être là, non? Oh, regardez le manoir, comme il est stylé. J'avais pas regardé, attends. Regardez comme il est stylé. De fleurs à côté de l'entrée. Là. À côté du lampadaire, ils avaient dit. Non ? Attendez. C'est pas ici ? L'entrée du manoir, c'est ici, chat. À côté du lampadaire. Là. Non, là, il n'y a pas de pot de fleurs. Là. C'est stylé ou glauque? C'est stylé. Non. Un lampadaire. Où c'est que vous voyez un lampadaire, vous? Là. Ok, donc il est censé avoir une clé. Là. Let's go! Pardon. Et donc la clé, c'est une clé verte. Donc j'imagine que c'est pour la porte verte du coup. Il doit être juste là. Alors là, même moi j'avais mal compris pourquoi la clé était à l'endroit indiqué. Ouais, c'est bizarre. Mais ok. Hop, on utilise la clé. Eh, je trouve ça pas mal. Un petit boss comme ça, inattendu. Je trouve que c'est un boss à la Last of Us un petit peu. Last of Us qui a le don de te mettre des boss quand tu t'y attends pas. C'est pas mal du tout. Oula, c'est quoi ce truc? Il y a un truc bizarre là-bas. Oh oui. De l'huile inflammable. Ok, ça va sûrement nous servir. Oh, faire des cocktails peut-être? Petit cocktail Molotov? Allez, on s'est pas servi beaucoup de nos munitions. On va se faire plaisir. Oh, mais attendez, mais cette arme est cheatée. Ou alors j'ai le cul bordé de nouilles au niveau des coups critiques. 3 sur 3 3 sur 3, baby. T'as pensé comme moi près de la porte d'entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une force étrange qui verrouille la porte. Coup critique x 3, quoi. Truc de ouf. Oh, un miroir. Il y a un bandage. Ah putain, je peux plus. Ah, je vais devoir faire du backtracking. Je vais devoir retourner au début dans la salle de sauvegarde. Ok. Attendez, est-ce qu'on peut avoir un quatrième coup critique d'affilée? Vous êtes prêts? La réponse. Non. Dommage. 3, c'était déjà bien. Ah, mais lui, il a le crâne dur, je reconnais. C'est d'ailleurs son surnom. 4 balles quand même. Je rigole pas, évidemment. Et des balles. Ok, ok, donc faut qu'on aille sauvegarder. On a trouvé un miroir. Mais du coup, c'est un miroir qu'on doit mettre sur une statue, je pense. Ah mais non, sur l'entrée. Ok. Est-ce que je poserais pas des trucs ici? Non. Non. L'excuse. Oh, tout de suite. Crâne dur. En vrai, c'est pas un bon surnom, crâne dur. J'aime bien. On a un tuyau là. Oh merde, c'est fermé. On sait que je peux les esquiver dans les escaliers. Ouf, ouf. Let's go. Let's go, baby. On a la salle de sauvegarde juste à côté, donc ça va le faire. Ça sonne un peu comme crâne d'œuf. Oh, c'est pas faux. Ok, nice. Crâne d'œuf dur. Alors, je pense qu'il faut qu'on sauvegarde, chat. Je pense qu'il faut qu'on sauvegarde. Ça me fait chier d'enlever clair de lune, quoi. On a quoi? On a pas de photo là. Eh, tant pis. Eh, Tuti, je suis désolé. Comment tu vas, Ameline? Tuti, je suis désolé. On enlève clair de lune. Il faut que je sauvegarde.
Excuse nous Tugis. Alors quelle est cette musique? Je connais pas du tout. On va poser ça. Elle est stylée. Est-ce qu'on a de la pomade? On a de la pomade. On va combiner. On va se soigner. On va poser ça par terre. Ça me dit rien. Moi, ça me dit rien, mais j'aime beaucoup. On va se soigner. Vous voyez, il n'y a pas un petit côté Last of Us avec le bandage et le petit sac à dos et tout? Non? Il n'y a que moi qui sens le petit côté Last of Us dans l'animation du perso? C'est assez drôle de voir tes pics de motivation grâce à tes BPM. Ah ouais? Bon, tu vois, moi-même, moi, tu vois bien. Écoute, YouTube, j'espère que tu as kiffé cette première partie de la découverte. Moi, j'ai énormément kiffé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça soutient. Et surtout, n'hésite pas à venir nous voir sur Twitch. T'as tous les liens en description. Vivement l'épisode 2. Putain. C'était pas Dead of Night, pardon. C'était Vem et Nos. Vem et Nos, en un mot. Pas du tout. J'ai vraiment kiffé. Des bisous YouTube.